Bien le bonsoir, chers amis. Bienvenue. On commence un tout petit peu plus tôt parce qu'on est dispo. On va en profiter ce soir. Salut au couteau. Bienvenue. Hop, je vais me décaler comme ça. Oh, il y a un décalage. Un petit décalage avec le chat qui est sur ce côté-là. Ta phrase n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un décalage avec le... Ah oui, c'est ça, c'est un tout petit décalage. Comment ça va au couteau? As-tu passé une bonne journée? Putain, j'ai un coup de barre à chaque fois que je finis de bouffer, c'est une catastrophe. C'est une cata. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le stream. Bonsoir, merci d'avoir choisi la chaîne comme d'habitude. On va pas tarder à attaquer, je pense qu'on va se faire un petit jeu solo. Salut Naël, bienvenue à toi. Bah on va discuter un tout petit peu avant de commencer le stream. Je vois qu'il y a quelques personnes, j'ai rechangé un peu l'overlay, au moins de chat. J'ai trouvé, il y a Twitch qui fait un petit peu mieux le système d'objectifs là que j'ai mis ici. Et au moins là je vois s'il y a des personnes quand je discute. Coucou Sakel, j'ai une journée tranquille pour une fois. Ah bah très bien, moi aussi j'ai fini assez tôt, ça nous a permis de ranger un peu l'appart. Mais voilà. Je sais pas si vous avez vu, il y a aujourd'hui un truc qui tourne par rapport à Twitch. Alors j'ai mangé le nom, mais en gros il y a un appel au boycott de Twitch pour que les streamers et les viewers n'utilisent pas Twitch aujourd'hui, en fait pour dénoncer le harcèlement sur Twitch. Le monsieur de tout à l'heure, je me doute bien. Day of Twitch, exactement, Days of. Donc en gros c'est un appel à ne pas utiliser Twitch aujourd'hui pour justement voilà soutenir en quelque sorte les personnes qui se font harceler, mais harceler hardcore par de leur utilisation de Twitch. Pour faire simple, ça va être des viewers qui vont venir soit seuls, généralement en groupe, de ce que j'ai compris tout à l'heure, je regardais le stream de la boucherie de DJ. De mon cher ami, et il y a des gens en fait, des fois qui vont se faire bully par 50 personnes, ou vous allez avoir par exemple 50 followers, enfin 50 viewers qui vont arriver d'un coup, qui vous connaissent pas et qui vont signaler en raid. Voilà, c'est exactement ça. Et le truc c'est qu'en fait, quand t'as 50 personnes qui raid, enfin qui raid et qui spam le signalement à la suite, comme il expliquait mon collègue, ça peut avoir une chance de faire gicler ta chaîne. Ouais, pour faire gicler une chaîne, c'est ça, Sac. Alors, c'est comme si là, moi, maintenant, j'avais 50 personnes qui arrivaient, qui me signalaient ma chaîne pour un seul truc, tout le monde fait pareil, et ma chaîne, elle saute. Et il y en a que ça va vraiment plus loin, il y a du harcèlement régulier, moral, mais surtout, il y en a qui vont aller carrément chercher les informations personnelles des gens pour leur mettre la pression, même hors stream. Et ce qui est dénoncé là, en fait, quelque part, c'est que Twitch ne fait pas apparemment assez pour protéger, en fait, ses streamers. Alors moi, à mon échelle, je suis un tout petit cacaboudin. Que je stream ou que je stream pas, ça va pas impacter. C'est pour ça que j'ai choisi de streamer. Mais le truc, c'est quand même d'en parler un minimum avant le stream, histoire de montrer qu'on en est tous conscients, parce que c'est parce que je suis très très nouveau et très jeune dans Twitch et que j'ai pas 600 personnes qui me regardent tous les jours que ça ne peut pas m'arriver. Et je trouve que c'est le concept est bien. Après, il faudrait que ce soit plus des personnes qui aient vraiment un impact conséquent sur le média. Prenez les très grands qui font... En fait, c'est ça, c'est simple. Vous prenez votre application Twitch ou ce que vous avez et vous regardez l'accueil. Il faut que ce soit ces gens-là, en fait, qui vraiment décident de ne pas streamer, mais pas un, faut qu'il soit vraiment plusieurs pour que c'est un impact sur Twitch ou tout du moins pour que ça les fasse réagir. Comme une grève de Twitch, en fait. Comme dans l'entreprise, quand t'es pas content, tu fais une grève. Quand tous les salariés bossent plus... Bah Twitch est un peu pareil, s'il n'y a plus de streamers sur la plateforme, il n'y a plus de rentrée d'argent, c'est vrai que ça peut faire un petit peu réagir les gestionnaires, quoi. Alors là, je débarque et je casse des mouilles, on touche pas à M. Cyr, non mais... c'est gentil.
Après, tout ça pour dire que nous, enfin, nous, je parlais pour mon cas, j'ai la chance d'avoir une communauté très bienveillante pour le moment. En tout cas, personne n'est venu me casser les pieds. Et ouais, comme DJ Boucherie ou ceux qui stream sur Warzone. J'ai une communauté bienveillante, personne n'est venu me casser les pieds. Après, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. C'est-à-dire, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu peux te faire ennuyer pour strictement rien. Il y en a qui prennent des coups de couteau quand ils vont défendre d'autres personnes. Sur Twitch, des fois, il y a des gens qui se suicident, qui se flinguent à cause de cons qui sont derrière leur PC et envoyer des saloperies toute la journée. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas été touché. Mais je comprends que ça doit être très difficile, surtout quand t'en fais ton métier. Parce que là, nous, à l'heure actuelle, même si j'essaye de me démarquer un petit peu, si demain on vient me péter les noix et que ma chaîne elle ferme, je vais pas en mourir. Ça va sans doute m'impacter parce que je travaille dessus depuis bien longtemps et que c'est un peu ma ligne de conduite. On va dire que ça me sort de pas mal de choses, de m'occuper de Twitch, de discuter avec vous, de voir qu'il y a des personnes comme Okuto, Zerbra, qui sont là hyper régulièrement, si c'est pas à chaque fois, et même qui s'excusent de pas être là, et d'avoir en fait un soutien comme ça psychologique, ça, moi en tout cas, ça m'aide à avancer. Parce que je me dis que sans la chaîne Twitch, j'en serais au stade de il y a 10-15 ans. Et je rentrerai chez moi, je jouerai à la console, j'irai bosser, je jouerai à la console, j'irai bosser, je jouerai à la console. Heureusement qu'il y a Sakiel pour me sortir de ça, mais même avec ça, c'est un peu compliqué. Ouais, t'inquiète, Sak. Et je sais plus ce que je disais parce que j'ai reçu un message en même temps. Et oui, et donc si je disais, moi en tout cas, mon stream, ma chaîne, le travail que je fais, que ce soit sur YouTube depuis des années, c'est quelque chose qui m'a sorti de pas mal de soucis perso. Ça m'a aidé à me construire en fait, et ça a évité que je m'enferme dans ma bulle, à jouer à la console et à voir personne. Ça m'a permis de continuer à apprendre des choses, à découvrir de nouvelles choses, ne serait-ce que par exemple d'apprendre à faire du montage, écouter les gens, d'être un peu moins bourru et un peu moins con. Moi, c'est quelque chose qui m'aide sincèrement tous les jours à aller de l'avant sans dire que je vais me flinguer s'il n'y a pas la chaîne Twitch, c'est pas ça. Hein. Mais c'est juste que, à l'époque, si vous voulez, moi j'ai monté la chaîne YouTube il y a. Ouf. J'étais encore chez ma maman. Ça fait. Je sais pas, attendez, je vais regarder, je sais pas depuis quand elle est là. Je sais pas si je peux le voir. Depuis quand j'ai créé ma chaîne YouTube? 2009, je crois. Et bon, c'est comme tout le monde, hein. J'avais quelques petits soucis et j'ai eu envie de faire ça en voyant le travail d'un autre YouTuber que j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Ah, j'ai plus de batterie. Et je me suis dit, bah pourquoi je ferais pas pareil et pourquoi je ferais pas mieux? Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma spirale, on va dire, de créateur. À propos. Et c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre, de monter, de faire de la créa. Et je suis vraiment très content parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses. 2010. Actif depuis 7 octobre 2010, ma chaîne. Ça fait 11 ans. Bientôt 11 ans. Voilà, après, j'y faisais le monde à l'envers, ce Celtique. Comment ça, le monde à l'envers, ce Celtique? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ouais, tout ça pour dire que moi, c'est mon. C'est ma ligne de conduite et que sans ça, je serais peut-être ailleurs. Je serais peut-être pas avec vous, je ferais peut-être autre chose. Ou je ne sais pas, mais maintenant qu'on a la fibre depuis maintenant un peu plus de 10 mois, bientôt un an, je crois. On a dû avoir la fibre en septembre l'année dernière, parce que Zardrak est là en tant que sub depuis le premier mois. Ça fait 10 mois qu'il sub, donc c'est ça. Ça doit faire 2 mois de plus. Oh, attendez, j'ai mon ordi qui lance des trucs. Voilà. Pardon. Être motivé par quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah oui, moi je suis comme ça. Non, oui. Comment ça va, Boubou? Bienvenue. Et je sais plus ce que je raconte. C'est n'importe quoi. Je me perds dans ce que je dis. Oui, donc j'ai créé la chaîne parce que j'avais envie de faire mieux que le gars.
que j'avais rencontrés, et grâce à ça, j'ai appris pas mal de choses, des techniques de montage, et j'ai tout fait tout seul de A à Z. Et où j'en suis maintenant, le nombre de personnes qui regardaient mes vidéos sur YouTube, les commentaires, tout ça, c'est du perso et c'est du travail acharné, quoi. Allez, raconte sa live, on va s'endormir, MDR. Salaud! Salaud! Donc tout ça pour dire que moi je suis fier d'être sur Twitch, même si demain je devrais streamer que pour Ogouto et Boubou, et ben je streamerai quand même parce que j'en ai rien à péter et que je fais ce qui me plaît. Voilà, après on essaie de se diversifier et c'est un plaisir d'être avec vous. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y en a qui ont décidé ce soir de ne pas utiliser Twitch, que ce soit en tant que streamer, en tant que viewer, et je respecte ce choix, mais je trouve aussi dommage. De juste ne pas être présent. Par exemple, si moi ce soir je ne suis pas présent, Twitch, j'ai pas d'impact. Demain, enfin, un streamer comme MV, JDG, des gens qui engrangent des millions de personnes, c'est plus impactant. Et c'est une soirée, c'est comme ne pas utiliser, je sais pas moi, la soirée où tu n'utilises pas l'électricité, bon bah voilà, ça fait un soir, ça fait des économies, et après vous savez très bien que l'espèce humaine, elle est faite pour oublier tout ça, tous les hashtags d'ailleurs qui passent sur les réseaux, Black Matter et compagnie, ça va nous marquer, ça va marquer le monde des médias pendant un petit moment, et après on va passer au reste. Regardez même le Covid, je me rappelle moi le début, j'osais même pas sortir de chez moi et faire les courses, maintenant je m'en pète un rein royal, et l'humain il est fait comme ça pour qu'il y ait, pour que vous oubliez en fait à chaque fois les trucs qui se passent, parce qu'on va vous rajouter d'autres choses par-dessus, et il y a un cycle qui fait que, là on en parle aujourd'hui, il y a des bullies sur Twitch, ce n'est pas nouveau, il y a des streamers qui mettent fin à leur jour à cause de ça, ce n'est pas nouveau, pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé les infos sur Twitch, mais ça se trouve, il y a eu quelque chose encore de grave, et ça a fait remonter tout ça, et tout le réseau Twitch, tous les streamers se sont dit, tiens, on va marquer le coup, mais dans 2 semaines, on aura oublié cette action-là, et on la refera sans doute dans 6 mois, dans 8 mois. Donc, streamer, ne pas streamer, quand on en vit, par exemple, Twitch, si moi, aujourd'hui, j'en vivais, c'est comme si j'allais pas au travail, sachant que les revenus Twitch sont pas du tout fixes. Demain, je vais pas au travail, je perds une journée de salaire, 7 heures. Bon, c'est fixe, je sais ce que je perds. Sur Twitch, je sais pas. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut comprendre les personnes qui en vivent. Je prends l'exemple de DJ Boucherie parce qu'il est c'est un ami proche et qu'il en vit, lui, maintenant. On travaillait au même endroit ensemble. Et que se passe-t-il? Salut, Koshi! Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé en retard. Il se passe rien du tout. Salut, les gens! Salut Marshall, bienvenue. Il se passe rien de spécial. Je prenais un petit peu le temps de discuter du mouvement qu'il y a sur Twitch ce soir, du hashtag que j'ai déjà bouffé, Days of Twitch. Voilà. Pour tous les streamers qui se font bully sur le net. Et voilà, je disais ça. Donc oui, je disais que ce soir, sans doute, il y aura un impact, il y aura une baisse de visionnage, de régime. Mais les gens qui en vivent, regardez, moi j'en vis pas. Ça se trouve, il y a un mec random qui va venir et qui va me donner 3 millions d'euros. Je ne sais pas, même 1 euro, peu importe. Oh, ça s'enflamme les pubs. On peut pas savoir en fait. Et le truc, c'est que ça peut être compliqué, il faut le comprendre, de ne pas être présent sur une plateforme qui te rémunère, et à l'heure actuelle, si tu n'es pas présent sur une plateforme, même si tu as du monde, hein, si tu n'es pas présent sur une plateforme comme Twitch, tu te fais vite, vite, vite oublier. Regardez, moi, j'ai pas streamé pendant un mois parce qu'on emménageait et on déménageait avec Sakiel. J'aurais été streamer professionnel, je vous assure que la moitié des personnes foutent le camp. Donc, moins de visibilité, moins d'impact financier, des primes, des subs, des choses comme ça qui vont sauter. C'est une perte drastique en fait pour le streamer qui est en vie. Nous,
Au début, je faisais ça pour voir ce que ça donnait, savoir si ça allait me plaire, parce que j'étais pas vraiment, voire pas du tout de l'école de Twitch. Maintenant, j'ai appris le format, j'ai appris un petit peu la plateforme, et j'ai des gens, comme je disais tout à l'heure, une communauté qui est là, mais à chaque fois maintenant, je sais que quand j'allume le stream, j'ai au moins une ou deux personnes qui sont là, et moi, ça me suffit en fait pour me faire plaisir. Si je disais, moi demain, si je stream pour Zardrak ou au couteau tout seul, bah je streamerai parce que je continuerai à faire ma passion, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo, je peux jouer avec Sakiel et tout ça. Et après, j'aurai des gens avec qui en discuter en direct, et pour moi, c'est un truc qui est vraiment cool, quoi. Après, il y a d'autres sites pour stream. Twitch est compliqué, mais faut pas le faire pour le plaisir. Mais faut le faire pour le plaisir et pas pour l'argent. Alors, oui et non. Koshi qui nous dit, ah oui, j'ai entendu parler de ça, ça craint dans quel monde on vit. Non, mais c'est une catastrophe. L'espèce humaine, l'homme avec un grand H, est un salopard de nature. Quand tu es... Tu le vois quand t'es minot. Assise contre un pour bully quelqu'un, c'est pareil que de faire le patron à taper des insultes derrière ton PC parce que t'es protégé. Il suffit d'avoir deux toits de jugeote pour mettre la pression à quelqu'un en disant « j'ai ton IP, j'ai ci, j'ai mi », tu fais des études en informatique quand t'es minot, tu sors un peu ce que tu veux, voilà, faut pas non plus se mentir. Et il y a des gens qui s'amusent avec ça, c'est quand même catastrophique. Même une semaine de vacances, ça se ressent clairement quand t'en vis. Et exactement ça, Kiel. C'est exactement ça, tu ne peux pas te permettre de quitter la plateforme qui te nourrit parce que tu perds de l'argent, en fait. Et le système est fait tellement aléatoirement, le marché Twitch est plus que oversaturé, et je reviens sur ce que disait Boubou, oui, tu peux aller streamer ailleurs, comme demain tu peux faire tes vidéos YouTube ailleurs. Mais on va pas se mentir, demain on te dit je stream, ah ouais sur Twitch? Tiens, bah j'ai créé une vidéo, bah ouais sur YouTube. Personne aujourd'hui va te dire je vais regarder ta vidéo sur Dailymotion. C'est comme les réseaux sociaux, c'est comme plein de choses qui sont rentrées naturellement dans l'ordre avec l'évolution. Le stream, c'est sur Twitch. Les vidéos, c'est sur YouTube. J'ai essayé, moi, de tester le stream au début sur YouTube. Je vous assure que c'est pas la même communauté. Je me suis pas fait bully, mais c'était des gens qui étaient pas bien dans leur tête. C'est pas un média qui est fait pour véhiculer ce que moi, je suis en train de vivre sur Twitch. Je vous aurais jamais rencontré, par exemple. Donc il y a ça aussi qui est compliqué, et ceux qui le font, tout le monde le fait par passion au début. Après, on va pas se mentir, si des sous rentrent et si on te propose d'en vivre, si demain il y a un gars qui me dit écoute, continue à faire ce que tu fais, je te paye, par contre faut être là tous les jours, bah j'y réfléchirai peut-être à deux fois, j'irai peut-être bah oui. Par contre, à côté, bah tu perds ta vie quoi. Les streamers, il n'y en a pas beaucoup qui prennent des vacances. Alors après, il y en a qui se permettent parce qu'ils ont plusieurs rentrées d'argent à droite à gauche. Mais c'est pas évident. Hein. Alors, il y a beaucoup de personnes qui discutent et ça me fait bien plaisir. L'humain est un con, ça ne changera pas. Je suis en grande partie d'accord avec toi. L'homme est un loup pour l'homme. On est d'accord. Tout le monde n'est pas comme ça. Regardez, la dernière fois, j'ai eu des compliments. Je sais plus par qui. Je crois que c'était Zardrak et Sophie. Bref, je me suis fait tacler gentiment parce que je disais que j'étais content d'avoir des gens qui étaient bienfaisants. Parce que ma communauté, vous êtes... Enfin, vous êtes vraiment une poignée, vous êtes une dizaine maximum à être là, mais vous êtes tous super bienveillants, on discute de pas mal de choses. J'ai dû avoir un problème avec une personne qui est revenue, pour le coup en plus, et tout va bien. Mais personne ne m'a taclé, on a toujours fait des discussions constructives, j'essaye de vous montrer ce que j'aime du mieux que je peux, j'essaye de diversifier la chaîne pour vous proposer des contenus intéressants, parce que bon, jouer à la console toute la journée, c'est sympa, mais j'essaye de faire un petit peu des choses pour que bah ça soit interactif et que ce soit intéressant pour vous. Parce que, on va pas se mentir, regarder un mec jouer à la console toute la journée, perso, moi, je préfère jouer. Donc, voilà. Par exemple, tu penses que Zod, aujourd'hui, est content de stream avec tous les viewers, ou alors il préfère avant avec ses dizaines de viewers, mais sans l'obligation de stream? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il stream car il est obligé. Il y a ça. JDG en parlait très bien dans la vidéo pendant laquelle il parlait des problèmes de YouTube, justement, parce que beaucoup lui ont dit d'aller voir ailleurs, mais en vidéo, rien n'est comparable à YouTube. Oui, effectivement, il y a des gros problèmes de monétisation, Fred, concernant ses dernières vidéos, parce qu'il est soumis à la censure,
parce qu'il est, il est cru, il fait ce qui lui plaît, et ça fait partie des rares, il fait partie de cette école de personnes qui fait encore ce qui lui plaît et comme il l'entend. Le problème, c'est que la modération a évolué vite, et pas spécialement que dans le bon sens. À vouloir protéger les viewers, les plus jeunes, etc., le système a un peu dérapé, et maintenant on en vient, comme il le dit, je cite, il dit « On m'a demandé de pixeliser des pixels. » On en est là aujourd'hui dans la censure de YouTube, c'est-à-dire que Fred, joueur du grenier, fait une vidéo sur Duke Nukem 3D, un jeu qui a 20 ans, c'est des pixels, et on a des femmes en sous-vêtements pixelisées. Et ben on lui a demandé de pixeliser ces pixels-là, et on lui a demandé aussi de pixeliser le début de Duke Nukem, le dernier qui était sorti, qui était pas top. Bref, on fait l'introduction, et vous avez la caméra qui sort d'un téléviseur, pour montrer qu'en fait c'est Duke qui joue, donc on a la vue à la première personne. Il a la manette, et ensuite on a deux femmes qui sont hors écran, donc comme Emma en fait, qui vont se lever comme ça, qui vont dire « Ah, c'était bien !» Sous-entendu le jeu, sous-entendu la tueur lutte. Et ben ils ont aussi demandé de censurer ça, et en fait là il a pété un câble parce qu'il dit « Mais en fait, vous censurez toutes les femmes. » Et concrètement c'est un peu ça, c'est qu'il y a des sujets qui sont devenus tellement sensibles que je sais même pas si moi le fait d'en parler ça peut me créer des problèmes. Et on est obligé de tout censurer, et ça devient absurde en fait. Moi je trouve que c'est complètement de la folie. Je vais prendre des exemples, après je suis de 89, mais regardez juste l'humour, comment ça a évolué. Vous reprenez des vieux sketchs, on va dire de l'époque de Coluche, ça remonte un peu, par exemple, il y a des choses qui maintenant, elles passent plus du tout. Mais quand je dis du tout, c'est un, faut pas parler. C'est un peu craignos quand même. Alors je comprends qu'il y a des choses qui soient pas très politiquement correctes, etc. Mais de là, moi quand j'étais gamin, on rigole pas du tout sur les mêmes choses que quand j'étais minot. Et t'as intérêt à faire gaffe ce que tu dis en public maintenant, parce que ça peut aller très vite. Avec les réseaux et tout, c'est genre la poudre qui s'enflamme, mais instant quoi. Le problème est que l'on peut pas se permettre de vivre d'amour et d'eau fraîche à une époque... Ah ben, on est d'accord. Une époque où le capitalisme règne. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soupe dans l'assiette, donc c'est ça, hein. On va pas bosser par plaisir. C'est exactement ça. Zot, c'est spécial, j'ai vu la vidéo récemment et le mec n'avait pas l'air à l'aise du tout et je pense qu'il s'est senti presque forcé. Je le connais pas, Zod. Mais j'irai voir. Mais je pense qu'il doit plus avoir le syndrome de l'imposteur. Le Zod à pas se sentir à sa place sur sa scène des grands de Twitch. Ça c'est sûr, même comme le coup de sang de Balavoine face à Mitterrand. Bah, il y a des choses qui passent plus maintenant. Que ce soit en vidéo, ce qui est proposé, et ça part en vrille. Donc après, comme je dis, hein, moi dans le jeu vidéo, je me bats à mon niveau, en essayant de se divertir, de ne pas penser à tout ça, mais ça revient forcément sur le devant de la scène, et on le voit encore ce soir. Moi ce soir, je pensais juste jouer, je suis passé sur le stream de Boucherie, et j'ai vu qu'il en parlait, effectivement c'est un sujet qui est important pour tout le monde. Parce que là, on parle de Twitch, on parle des bullies sur Twitch, mais faut pas oublier que dans la vie quotidienne, c'est pareil. Il y a des gens qui se font bully, moi le premier quand j'étais minot, donc oui, je sais très bien ce que c'est. Là, c'est encore différent, parce que tu demandes rien à personne. Pour nous, en tant que streamer, vous êtes juste une liste de noms, et inversement. Personne se connaît vraiment, on se connaît via des discussions, alors des discussions qui peuvent durer presque des années. Regardez, avec Zardrak, ça fait... Ça fait 10 mois, 10, 12 mois, je crois que Zardrak, c'est un des premiers que j'ai rencontré sur Twitch, avec qui j'ai sympathisé en discutant, mais je ne le connais pas, on se connaît de réseaux sociaux, c'est tout. Le gars, ça peut être un psychopathe que je ne serais pas au courant. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cette séparation. Et il y en a, par exemple, je l'ai vu chez Boucherie, sur d'autres streams, des gens qui sont là depuis des années, sans se connaître physiquement. Tout va bien se passer, et un jour il va se passer un truc, et les mecs ils vont te pourrir, ils vont te poucrave tout ce que t'as fait, tout ce que t'as mis en place, coup dans le dos, fausse rumeur, ça va faire enflammer les réseaux à droite à gauche, et faire des coups de Trafalgar. Vous êtes jamais sûr
de qui vous avez en face, et il faut, je vous, mais même moi quand je vous parle, hein, mais si je peux vous donner un conseil, mais ne croyez jamais pour, enfin ne prenez jamais pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Ça vaut pour la vraie vie et encore plus en stream. Regardez même les vidéos et choses comme ça. On parle de Zod, je le connais pas, mais moi le truc qui me rend fou, c'est que tout tourne autour de l'argent, c'est indéniable. Quand les gens prennent de la puissance sur les réseaux, hein, je parle, c'est que à coup de pute en fait. On va pas se mentir. Les liens partenaires ou bah non, c'est pas des partenaires, mais cliquez dessus, ça me rapporte du pognon. En fait, c'est toutes des petites actions comme ça, parsemées à droite à gauche, qui montrent que encore une fois, l'humain, c'est vraiment, en règle générale, j'ai envie de dire, c'est une crevure. Tout le monde n'est pas comme ça. La preuve, regardez, vous êtes là, vous n'êtes pas des crevures. Enfin, on a tous un petit peu des crevures. Mais là, ce soir, non. Ça que je voulais dire. La vidéo de Squeezie, le clear qui aide un streamer, bah, c'est Zod. Oh merde, c'est lui. Un petit streamer de 10-20 viewers de moyenne à la base qui n'avait pas de stream, du moins quand ils sont arrivés. Il n'avait pas de chaîne Twitch. Ah oui, c'est le truc que tu m'as raconté, Sakiel, où en gros, il y a Squeezie et Leclerc qui viennent chez le mec sans le prévenir, et ils fouillent dans tes affaires perso, en gros, ils l'éclatent au niveau personnel. C'est ça, hein, Sakiel. Enfin, dis-moi juste oui ou non, que je m'emballe pas sur un truc. Moi, c'est pareil, je suis là depuis un petit moment maintenant, et je reviens toujours avec plaisir. J'ai suivi d'autres streamers, et je suis jamais retourné, car ils m'ont vite gonflé. Il n'avait pas de stream, du moins, même s'il avait une chaîne. D'accord, donc Sakiel m'avait expliqué, en gros, ils ont voulu aider un type à grandir. Mais alors attention, à grandir, c'est-à-dire que vous prenez deux superpuissances du YouTube gaming qui brassent quasiment le plus en France, qui vont aider un mec comme moi, admettons, qui a des gains, qui fait ça par plaisir, c'est-à-dire que moi, là, à l'instant T, je fais ça parce que j'ai envie de partager ma passion et j'ai envie de discuter avec des gens. Et ils arrivent chez lui, et il expose devant des millions de personnes. Mais d'un coup, hein, y a pas de progression que tu y as. Bah voilà, c'est ça, ça j'ai trouvé ça glauque, la fouille des affaires perso. Vous imaginez le... Aujourd'hui, dès qu'il est en live, il tourne à 3K. Attendez, mais... Alors, il y a deux écoles. Moi, je serais plus de l'école de... Déjà, c'est, comme disait Sac, c'est chaud. Vous imaginez? Vous êtes là, vous faites votre petit speech comme moi. On est 4 ou 5. On est en famille, entre guillemets. Et les gonzes arrivent, deux superpuissances, tu les as jamais vus. Des gars, je pense que tu dois un peu te chier dessus quand même. Et là, ils viennent. Ah, machin, tiens. Bah pourquoi t'as ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi t'as tes chaussettes sales? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, machin? Bon, maintenant, en gros... T'oublies tout, tu vas nous raconter ta vie pour faire des vues, et puis maintenant tu vas tourner à 3K, t'as intérêt à être là, et puis t'as intérêt à te rappeler que c'est nous qui t'avons fait venir ici. Moi je le vois beaucoup comme ça. Bonsoir les gens, bah tiens, quand on parle de Zardrak, bien le bonsoir mon cher ami. Voilà, quand je parle des piliers du stream, le voilà, Zardrak au couteau, mesdames et messieurs, mes piliers. Comment ça va mon Zardrak? Bienvenue. Voilà, ça c'est des gens comme ça, et je sais que ça me fait plaisir d'être en stream parce qu'ils sont là. Voilà. Alors, bon, après, il a dû donner son accord pour les images, mais sûrement parce qu'il se sent redevable. Voilà, on en est là. Tu te sens redevable. Mais à aucun moment, je dois me sentir redevable de faire quelque chose qui me plaît. C'est comme si tous les jours, tu devais dire « Merci patron de m'avoir embauché, merci, hein. Ah, merci, c'est gentil. » On va arrêter, quand même. Après, je pense que c'est... Ah, voilà, Koshi qui va toucher le point sensible. Après, je pense qu'il est pas mécontent, mais il doit être nostalgique de son ancien mood. Mais gros, tu passes de 4 à 10... Non, pardon, j'ai une connerie. Tu passes de 10, 20 à 3K. 3K, 3000 personnes. Ton chat, il doit défiler à 12 000 à l'heure. Tu dois même pas prendre le temps de parler avec les gens. Tu vas choper un truc, c'est impossible. Enfin, vous êtes marteau. Là, on discute en famille, vous êtes pas beaucoup... Là, il y a pas mal de gens qui discutent, j'arrive à suivre le flow, et on joue pas, attention. Hein. Mec, demain, tu veux faire un jeu? 3000 personnes qui parlent sur ton chat, entre les trolls, les enfants de 14 ans, les mecs, ah bah, Squeezie, c'est bien, Leclerc, c'est bien. Frérot, mais moi, je pourrais pas.
Mais ça me dégoûterait ma race, en fait. C'est. Perso, je pourrais pas. Alors après, il y a le côté financier. Voilà. Aujourd'hui, on est 5. J'ai, si vous voulez tout savoir, j'ai 9 subs actuellement sur ma chaîne, que je remercie grandement d'ailleurs. Merci de votre soutien, les amis. Donc, ces 9 subs, pour moi, c'est quelque chose d'énormissime. Je fais ça par passion, et il y a des gens qui ont choisi, comme vous, là, en ce moment, en plus de me donner votre temps, parce que littéralement, vous pouvez faire autre chose, boire une bière. Non, vous pouvez boire une bière en regardant mon stream. C'est ce qu'on appelle en tâche masquée. Non, plus sérieusement, vous regardez Twitch, vous pouvez faire autre chose, profiter de votre famille, aller au cinéma, je ne sais pas quoi. Donc déjà, ces personnes-là, les fameux subs, vous me donnez votre temps, et en plus, vous me donnez votre argent durement gagné. Comment tu veux dire plus que merci à des gens comme ça? Mais c'est une attache, en fait, c'est quelque chose, c'est une relation qu'on a construite. Demain, je passe de 5 viewers à 3000. Mais psychologiquement, tu ne peux pas avoir le même mood. Tu ne peux pas te dire, ah, merci, c'est une relation de... Non, non, vous êtes 3000 cons à avoir suivi deux mecs que je peux pas blairer, et vous me ramassez du pognon. Alors oui, je vais jouer à la console. Je vais prendre tous les jeux pétés du cul que j'aime ou que j'aime pas, et je ferai, c'est génial, comme les trois quarts des youtubeurs. Voilà, on va pas se mentir. Sauf que là, tu le fais en direct. Attendez, je me suis perdu. Oui, après son accord, quand... Alors, perso, hein, quand t'as Squeezie et le Clear Bidule qui viennent, accord ou pas accord, les mecs, ils perdent pas leur temps. C'est bon, gros, ça se trouve, ils ont signé des trucs, on sait pas. Hein. Mais je serais curieux de voir l'avant et après de ce jeune Zod. Parce que c'est pareil, ils ont pas changé son nom, ou je sais pas quoi. Ils ont appelé la communauté un nom alors qu'ils voulaient pas. Ils lui ont dit, non, mais en gros, frère, moi je suis le Clear, moi je suis Squeezie, fais ça. Bah de ce que j'ai vu vite fait de la vidéo, ça avait plus l'air, moi je suis le Clear, je fais ça, et Squeezie disait, oui chef, oui copain. Ils ont donné un nom à ces viewers alors qu'ils n'avaient pas l'air fan du tout. Voilà, excusez-moi, je suis un peu en retard sur le chat. Ouais, les Zodiac, non mais qui... Sans déconner, le gars il s'appelle Zod, les Zodiac, il lui dit non, ça me plaît pas. Non mais t'inquiète, fais. Tes mecs c'est des Zodiac, tes mecs ils vont rapporter des ronds. Encore une fois, moi je suis ici, hein, je suis le Clear, je te rappelle, et il y a Squeezie, donc on fait ça. Grand du Twitch Gaming ou du YouTube Gaming, sincèrement, vous venez chez moi et vous me dites demain, t'appelles des viewers comme ça, et je te mets toute ta tartine dans la gueule et puis je te fais sortir de la baraque. Voilà. Ouais, je pense qu'il se sent redevable. Après, il est pas à 100%, à plaindre non plus, oui, évidemment, mais le coup de faire ça surprise plutôt que de proposer aux streamers de poser leur candidature, c'était pas le meilleur choix. Ah, c'est... Moi, je trouve ça pas... Regarde, c'est DJ, ça défile la mort son chat. Grave. Et il est bon, hein. Et il est bon. Lui, son plaisir, c'était d'échanger avec les gens. Aujourd'hui, il parle plus avec son chat. Voilà, super. Au final, plus aucun plaisir pour lui, je pense. Je rejoins ton idée, Koshi. C'est dommageable. Je sais pas si ce terme existe, mais je trouve que c'est dommageable de gâcher le plaisir de quelqu'un. Parce que c'est ça, pour du pognon. Parce que maintenant, ce Zod, qui faisait 10 viewers sur la plateforme Twitch, il était catchy. Maintenant qu'il ramène des sous et du monde, c'est bien, c'est pas des nouvelles personnes, c'est des gens qui sont pris d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient tombés sur mon stream, et pas sur le sien, parce qu'il avait 10-20 personnes, et maintenant qu'il y a 3000, vous savez, le monde attire le monde, c'est comme dans les magasins. Donc ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il est au top son chat à DJ, on est bien d'accord. Après, lui, il pouvait les blairer. C'est vrai que... Non, après, je les connais pas. Attention, je les connais pas, mais de ce que je vois et de ce que j'entends, je suis pas fan du personnage. Squeezie, ça me dérange pas. Le Clear, je suis pas fan du personnage. Après, chacun ses goûts, hein. Les goûts et les odeurs, comme on dit. Les Zodiac. Moi, Zodiac, ça me fait penser au super film que t'as pas vu, vilain. Eh, c'est pas l'heure de régler les comptes, ici. Ils ne viennent pas uniquement pour lui, plutôt pour l'aura autour, en gros. Bah ouais, mais l'aura de quoi? L'aura de quoi? Tu n'as pas le temps de créer une communauté. Tu peux pas créer une communauté de 10 à 3000 du jour au lendemain. T'as pas tes marques? T'as pas tes viewers? T'as pas la souche?
Après, tu me diras, les 10 qui sont là, vous imaginez? Exemple, voilà. Demain, j'ai 3000 viewers. Zardrak et Okuto, vous qui êtes là depuis... je compte plus. Vous en pensez quoi? J'aurais même plus le temps de vous répondre et de discuter. Parce que j'aurais 3000 mecs à satisfaire. C'est... Mais je ne pourrais pas, en fait. Oui, il aura du nouveau Famous Boss. C'est ça, c'est le fils prodige. Surtout qu'il a... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais... Il a rien de plus que moi. Il a juste eu Squeezie et Leclerc à la maison. Moi, demain, je vais rentrer un gros streamer. J'aurais sans doute pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a rien construit à la sueur de son front qui justifie son Famous Time. Surtout que ça se trouve, le mec, là... Tout marche bien et je croise les doigts pour lui, j'espère que ça ira loin. Mais qui vous dit pas que dans un mois ou deux, quand Squeezie et Leclerc ils vont aider 92 personnes, le mec il va retomber comme un soufflé. Vous imaginez là-dedans comment ça va carburer? Famous un jour, pas famous toujours. Tu fais ça pour ta passion. T'as des gens. Voilà, moi je prends mon exemple. Je fais ma passion. J'ai rencontré des gens hyper, hyper agréables. Comme je vais parler beaucoup de Okuto et Zardrak parce qu'ils sont là et que ça fait partie de la. De la souche des gens qui discutent beaucoup. Il y a Marshall aussi qui est là souvent, mais vu qu'il discute pas beaucoup et que j'ai pas les noms. Mais voilà, j'ai. Maintenant, il y a Koshi qui est là aussi un peu régulièrement. J'ai vu ces derniers jours. Mais moi, je suis content parce que j'ai ma souche. J'ai des gens sur qui je peux compter. Vous discutez en plus sur Discord. On échange quelque chose. Et moi, je me verrais pas passer à 3000. Ou alors, oui, si, à 3000. Mais je sais pas à construire, quoi. Qui est un truc. Non, justement, c'est le côté famille que j'aime bien avec tes streams. Franchement, change rien. Mais je compte rien changer, mon ami. Si j'ai 3000 personnes demain, je prendrai le temps de vous répondre comme j'ai toujours répondu. Parce que des mecs qui vont venir à 3000 pour me poser 50 000 questions à la con, t'as fait ci, t'as fait ça, ou alors fais comme ci, fais comme ça dans les jeux, moi ça va me brouter. Je vais sortir les munitions et je vais ban à tout va parce que j'en ai rien à péter en fait. Après, s'il fait pas ses preuves, ça retombera, c'est comme la TRLT. Mais la chute va être rude, à lui de faire tenir maintenant. Alors, oui. Enfin, il aura quand même ses coachs pour redonner le blason de temps en temps. Oui, mais voilà. T'as rien construit. C'est comme moi, là, si demain j'ai 3000 personnes. Bah, je vais faire comme je fais là. Je vais rien faire de plus. Est-ce que lui, il se sent obligé de faire plus? Tu vois, c'est ça. Et encore une fois, je ne connais pas ce petit gars. Mais si vous me dites qu'il a pas l'air très... T'as un gros, t'imagines? Regardez, moi, sort, tout à l'heure, j'étais fatigué. J'avais pas trop envie de streamer. Je vous aurais envoyé un post. J'aurais dit, bon, les amis, je suis fatigué, on décale. Là, je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr que quand il est fatigué, je sais pas s'il a une copine ou autre, mais sa meuf le soir, entre 10-20 viewers que tu peux dire, bon, bah, désolé les gars, je suis fatigué, on voit ça plus tard, et 3000 mecs à satisfaire, sa meuf, elle doit lui dire, bah, je sais pas, va quand même, parce qu'il y a des sous en fait, on sait jamais. Sur 3000 mecs, il y a peut-être quelqu'un qui va donner des sous. Alors, je serais content pour toi en espérant qu'une grande partie te follow et s'abonne. Depuis le temps que je suis lancé le stream familial, que j'aime bien, on peut discuter de tout, rigoler, mais ce sera pas pareil puisque du coup on pourra moins discuter, te spammera de messages, tu pourras pas tout lire. Exactement. J'aime bien les streams posés que tu proposes. Mais tout à fait. Arrêtez d'être gentil, ça suffit. Stream familial, oui, enfin je veux dire, on est entre nous, putain, on a tous une vie, on a tous des problèmes. Le jeu vidéo, c'est un putain de média pour se décompresser et pour pas penser aux saloperies de la vie quotidienne. Voilà, moi c'est pour ça que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin. C'est pour ça qu'à partir d'un certain nombre de personnes, c'est plus des streams familiales. C'est vrai. Mais d'un côté, si tu veux grandir, t'as pas le choix, t'es obligé de passer ce cap. Moi, je joue aux jeux vidéo pour m'esquiver de la vie réelle, je m'en bats les couilles en fait. Je vais bosser, je fais mes ronds, et après j'ai ma vie ici, et j'ai mes streams parce que c'est le feu. Après, tu peux... Ah non, mais c'est exactement un exutoire à la vie, c'est ça. Comme j'avais lu, je sais plus ce que c'est, je suis un gamer pas parce que j'ai pas de vie, mais parce que j'ai décidé d'en avoir plusieurs. C'est exactement ça, c'est un média pour voyager. D'ailleurs, j'ai changé le titre, vous avez remarqué, j'ai mis Indie Lover parce que je kiffe les jeux indépendants et j'ai remarqué que c'est ça que je faisais le plus. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que il y a les bons, il y a les mauvais côtés. Après, ça dépend de ta commune aussi, chez Boubouche ou chez Atto. À plus grande échelle, malgré nombre, ça reste familial. Parce que
tu as eu le temps de construire quelque chose. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pareil que toi, Celtic, le jeu vidéo, c'est mon monde à moi. Putain, mais pareil. Moi, je me fais plaisir, bon Dieu. Je m'amuse, je partage, je rage, et je m'en bats les couilles, parce que j'aime ça. Le seul truc qui me fait arrêter de jouer aux jeux vidéo, je calanche, où il n'y a plus d'électricité, du tout, du tout. C'est le seul truc pour me faire arrêter de jouer. Voilà, c'est tout. Sakiel, elle kiffe ça, en plus, elle partage les streams avec moi. Vous voulez quoi de plus? C'est tout. Et oui, comme tu dis, Boubouche, Atto. Alors, Boucherie, il est là depuis 5 ans, 6 ans. Atto, Atomium, il est là depuis 10 ans. Il fait partie des premiers. Ces mecs-là, ils ont tout fait à la sueur de leur front. Il n'y a pas Squeezie qui est venu leur filer un coup de main. Et c'est une construction de communauté sur le temps qui leur a permis d'être comme ils sont aujourd'hui et de garder cet aspect familial, parce que c'est vous qui le disiez la dernière fois, on a la communauté qu'on mérite, on a la communauté qui nous ressemble, pardon, vous aviez dit. Et moi j'espère qu'une chose, c'est tourner à 3000 personnes, de mecs comme Okuto, Zardrak, de vous en fait, 3000 mecs comme vous, je suis preneur, quand vous voulez, je stream tous les jours, pas de problème, même si c'est déjà un peu ce que je fais maintenant. Mais parce que tu auras instauré des règles, tu te seras imposé, en fait, en tant que streamer familial, parce qu'au final, c'est ça, streamer qui aime partager, tu peux pas t'imposer en passant de 10 viewers à 3000 viewers. T'as pas le temps de faire ta loi. Et attendez, mais un autre truc tout con aussi, il a combien de modos, ce petit père? Parce qu'avec 3000 mecs, je suis pas sûr que tu fasses ta modération sur ton petit téléphone portable où tu demandes à ta petite chérie d'amour d'enlever les mecs relous. Parce que c'est pareil, les modérateurs, c'est des mecs comme vous et moi. Ils prennent leur temps, ils regardent le stream, et quand tu fais de la modération, tu profites pas du stream comme un mec qui est posé devant, hein. Tu bois pas ta binge, t'as intérêt à lire tous les coms, vaille que vaille, hein. Comme moi, je joue aux jeux vidéo pour m'évader, je pratique le karaté et la guitare pour les mêmes raisons, c'est un exutoire. Mais c'est ça, on a des passions, et on emmerde le monde, voilà, c'est ça. On est là pour se faire kiffer. T'en as bien 5 ou 6 en continu, des modérateurs? Mais quand t'as 20 personnes, mec, moi j'ai pas de modo, j'ai mis des amis en modo, j'ai comme Asamus, Reflex Max, qui est pas souvent là parce qu'il est comme moi, il a envie de jouer, il a envie de faire autre chose, Sly, mais qui a sa propre chaîne parce que je lui ai filé un coup de main et qui fait partie de la Cell Team, Tommy Chaz, pareil, Tommy il est en train de décoller de son côté, tout va bien, il a sa communauté de gens super sympas aussi, il a pas que ça à foutre de passer sur mes streams, et inversement, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas, et j'ai Sakiel, qui est là, qui surveille, qui protège. Mais tu passes de 5, enfin tu passes de 10 à 3000. Tu vas pas faire une annonce, bon les gars, j'ai 3000, il me faut des modos. Les personnes te connaissent. Et puis, pour être modérateur, il faut avoir de la confiance aussi. Bah, c'est pas comme passer quelqu'un en VIP, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? La caméra qui part en sucette autant que mon psyché. Alors attendez. Zardrak qui nous disait j'ai hâte au prochain Metroid. Je pourrais être ban pour ça, Zardrak. Sincèrement, de chagrin, mais je pourrais être ban. J'ai absolument pas hâte du prochain Metroid, c'est une purge. Voilà, je le dis, c'est clair, et je vous expliquerai peut-être pourquoi. Comme pour... Ah non, mais c'est un dessin, on l'a déjà lu. Quand on voit la communauté d'Antoine Daniel, malheureusement, il se traîne son passé et des viewers pas toujours très matures au milieu des autres jeux. Eh ben voilà, c'est ça. C'est un peu ça en fait. C'est comme n'importe quel passe-temps. Font kiffer. Ah oui, qui se font kiffer quand ça va pas. Faites pas de bêtises. Des modos, mais comme ils sont pas connectés tous en même temps, il doit bien avoir une vingtaine, je pense, au total. Mais non! En fait, Zardrak, c'est là où je veux en venir. Quand t'as un noyau dur, moi, mon noyau dur, c'est vous. Demain, j'ai 3000. Là, déjà, vous êtes pas modérateur. Vous êtes mes potes. On discute, on partage. Il est en train de spammer son père, mon bot, là, je vais peut-être le réduire après. Faut pas te spoil sur le chat. Non, c'est une nouvelle commande que j'ai mis, je me suis inspiré d'autres streamers. Parce que quand je fais des jeux à histoire, ça le rappelle. Et oui, donc je disais, quand t'as une communauté de 20 personnes, t'as pas 36 modos. Donc c'est compliqué. Ou alors pareil, le vivier des grands,
machin bidule, allez voir ce qu'il fait, surveiller ce qu'il fait, surveiller qu'ils disent pas saloperie pour nous, enfin contre nous, parce que maintenant ils font partie des grands, blablabla. Vous voyez? Je sais pas, c'est... Ouais, je sais pas. Puis même, t'as une pression, on parlait à la base du Days of Twitch. Il fait quoi, lui, son Days of Twitch aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en pense, sincèrement? Il stream là ou pas? Enfin. Il avait 20 viewers, il était dans sa bulle protectrice, comme moi je le suis là. Et maintenant, il est explosé à 3000 personnes avec des vidéos qui tournent sur sa mouille. Tout le monde a vu chez lui son mode de vie. C'est. Enfin. Ah, c'est dingue! C'est pas comme un don. Quelqu'un vient ici, il lâche 1000 balles, ça va te choquer. C'est un don, c'est un truc en instant. Ça se gère. Mais 1000 personnes d'un coup, ça ne se gère pas. C'est comme un raid. Voilà, là, je vais prendre l'exemple. Pour ma part, quand je suis passé affilé, c'est en très grande partie grâce à DJ Boucherie. On était sur la pente. Montante, on était à 2,9 en moyenne. Il manquait pas beaucoup, ça allait se faire dans les jours qui venaient, si tout allait bien. Ouais, puis, et il stream du coup, parce qu'il n'a pas le choix. Ça se trouve, il avait ses idées, il s'est dit, ah bah je vais pas streamer, puis là, il n'a pas le choix. Et il est venu, il m'a raid avec 500 personnes, je crois. Ah, je sais plus, allez, on va pas. Entre 250 et 500. Quand tu stream et que t'as deux personnes et que tu discutes par exemple avec l'ami au couteau et l'ami Zardrak et que d'un coup il y a 250 personnes qui arrivent, on était sur Monster Hunter je crois en plus. Le chat, il s'envole, t'as plus le temps de lire. Quand t'es pas habitué, parce que là on a notre rythme de croisière, quand t'es pas habitué tu lis plus rien. Alors t'arrêtes de jouer, t'essayes de faire plaisir aux gens et tu blablates. Regardez, ça fait... Ça va bientôt faire 1 heure que je parle, putain. Alors que je voulais jouer, et bah au final tu fais ce que je fais. Tu parles, tu parles, tu parles. Et tu joues plus. Voilà. Et après les amis qui veulent discuter avec toi, dans le dos, bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream. Bonsoir à vous, merci d'avoir choisi la chaîne. On parle un petit peu sérieusement pour une fois ce soir. Je vous rassure, après on fera des conneries. Hein. Et là, il stream. On était sur notre première partie de Monster Hunter depuis 2 ans, on n'arrivait même plus à retrouver les commandes, c'était un epic fail ce jeu. Exactement, le pauvre gars s'est retrouvé catapulté au sommet sans crier gare. Mais c'est ça? Parce que t'imagines, t'arrives, tu fais gare! Bah là c'est bon, mais si tu peux pas le crier, bah il a pas eu le temps. Voilà. C'était la blague de trop. Bref, mais oui, c'est ça. Le mec était catapulté au sommet. Va faire tes marques maintenant, va trouver un rythme de croisière. Regardez-moi, j'ai encore changé le planning de la chaîne. Ça fait 28 fois. Je me cherche. J'essaie de contenter tout le monde. Au revoir! Mais non, je reviens. Ah, je sais pas, non. Moi, ça me dérange pour lui. Et pour, enfin, je me mets à sa place, moi, j'aimerais pas. Même si t'as l'attrait financier, évidemment. Parce que demain, encore une fois, comme je disais, on te dit, tiens, joue. Joue devant 3000 personnes et... Ouais, même si tu joues 2 heures, 3 heures par jour, t'auras des ronds. Parce que les gens, ils donnent, c'est notre communauté. Oh, tu fais ce que tu veux, tu joues. Forcément que ça intéresse. Mais est-ce que t'es encore toi-même? Elle est là la vraie question. Est-ce que t'es encore toi-même? Est-ce que tu te sens toi-même? Et moi je sais que ça c'est un truc que je pourrais pas. Si je me retrouve pas dans ce que je fais. Comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est mon fil rouge. La chaîne Twitch maintenant. YouTube, j'ai laissé tomber. Enfin laissé tomber. Je fais plus de création. Je faisais pas mal de création. À une époque, je faisais 2 vidéos par... Non, une vidéo YouTube tous les 2 jours. Et j'étais tout seul. Donc je rentrais chez moi. Je tournais. Ou alors je tournais sur mes jours de repos. Oui, je tournais sur mes jours de repos. Et le soir, je montais. Donc, j'avais envie de jouer. Bah, je jouais pas. Parce qu'il fallait monter. Parce qu'on essayait de se créer une identité. On essayait de se montrer, etc., etc. Et c'est compliqué parce que tu vois plus personne. Tu fais plus rien. Et le stream, c'est plus simple. Le stream, c'est plus facile. Vous voyez, on est une dizaine, on discute, on échange. J'ai pas de montage à faire. J'aurais pas streamé, j'aurais joué à la console pendant ce même laps de temps. Bon, si là, pour le coup, on joue pas, mais... Tu perds un peu de ton âme à ce niveau, car... Tu peux plus forcément jouer à ce que t'aimes.
C'est vrai, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à toi de t'imposer. C'est le streamer, c'est qui? C'est moi, c'est pas vous. Si là maintenant il y a un gars qui arrive et qui me dit, hé, hey, t'as fait tel jeu, tu veux pas le jouer? Si c'est un jeu que j'aime pas, je lui dirais non. Si j'ai prévu de le faire, je lui dirais. Si c'est un jeu que je connais pas, je lui dirais. Mais c'est moi qui décide de ce que je fais. Parce que je suis pas payé pour. Je fais ma passion. Demain, par contre, vous êtes 3000 et vous raquez tous. Quand vous me demandez un jeu, si je suis pas spécialement un gros salopard, j'essaierai de vous. On peut pas, c'est pas dans le jeu. Je vais essayer de vous satisfaire parce que j'aurai. Si c'est une reconnaissance. Comment ça va, Taladium? Ah, est-ce que c'est trop fort les niveaux de son ou pas? Est-ce que vous avez entendu la musique du sub offert par Zardrak Aokuto? Merci, mon ami. Merci beaucoup pour le cadeau Aokuto. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de son. Ah! Eh ben, je vais devoir réarranger tout ça. Il n'y a pas eu de son? Mince. C'est naze. Bref, tout ça pour dire que je suis pas sûr du choix, de tout ça. C'est très 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 compliqué. C'est surtout que tu peux te faire aussi emporter par la vague, j'avais pas vu. C'est ouais. C'est à double tranchant. L'appât du gain, le fait d'être soi-même. Voilà, moi, je décide de mes jeux. Je vous les propose parce que ça me fait plaisir. Après, c'est toujours bien quand t'as 50 000 trucs. Justement, voilà, je pense que c'est lundi. Tu as joué à Daymare, quasi que pour moi. Merci beaucoup. Oui, que pour moi. Point. Merci beaucoup, Zardrak. Oh, il y a un petit cadeau à côté de son pseudo, le Zardrak. Ce mignon. Troisième sub offert sur la chaîne, Zardrak. Un bel homme. Je pourrais pas dire mieux. Bref, ça va conclure un petit peu notre discussion sur ce Days of Twitch, mais c'était important d'en parler et ça me fait plaisir que vous soyez là pour discuter de tout ça. C'est important, c'est intéressant en plus. Je pourrais encore parler pendant un moment, mais j'ai envie un petit peu de jouer. Tiens, on va continuer Daymare là pour ce soir. Je pense que ça peut être pas mal. J'aime pas le chiffre 3. Et. Il n'y a pas eu de son. Bah, j'essaie de le régler, le son. Il n'y a pas eu de son. Parce qu'en fait, j'ai remis les alertes sonores. Mais il n'y a que moi qui les entends. Je sais pas pourquoi. C'est de la merde. Ça ne marche pas bien, les copains. Oh putain, NPC, il rame son père l'hippopète pour aller me sortir un truc. Bon, je ferai des stream tests, va. Bah. On va pas s'embêter. On va. Move on, my friend. Enfin bref, moi je suis plus. Attends, mais ça suffit. Tu arrêtes! Zarva qui offre encore un putain de sub à Marshall. Merci mon copain, merci beaucoup. Ça suffit maintenant. Enfin, sans vouloir vexer personne, il y avait Zardrak qui était là aussi. Ah, mais on vexe personne. 4, c'est mieux, putain. Merci mon ami, merci beaucoup pour ton soutien. Tu régales. C'est le festival. Merci mon copain. Bon, et si on joue un petit peu, parce que les discussions sérieuses, c'est bien un petit moment. Mais le jeu, c'est cool aussi. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié notre discussion sur ce Days of Switch a un petit peu. C'est un petit peu parti en couille sur divers sujets, mais bon, j'espère que vous avez bien profité de ce petit discours. Je vais mettre un marqueur. Comme ça, je pense que je vais exporter cette discussion sur YouTube, puisque c'est plutôt intéressant. Voilà. J'ai mis mon petit marqueur. Voilà. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Voilà, c'est pareil, là, on prend le temps. Et moi, je sais que par la suite, si je perce, j'en rêve, hein, on va pas se mentir. Bah, je prendrai le temps de répondre aux gens qui sont intéressants. Voilà. J'ai des fois des gens qui sont venus, qui venaient de nulle part. Ouais, fais jeu, il est bien. Bah non, en fait, frérot, parce que non. C'est moi le chef, en fait. Enfin, pas pour vous envoyer chier, mais si je veux jouer un jeu, je joue avec. Si vous voulez le voir, vous le regardez. Si vous voulez pas le voir, vous le regardez pas. Ou alors on discute.
Allez, on va crever du zombard, non, mais la discussion fait partie du jeu. Ah, je parle beaucoup, moi, sérieux. Je parle beaucoup. Allez, let's go game. Je vous ai fait une sélection des jeux que j'ai envie de vous présenter, des jeux qu'on a en cours, des jeux. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je demande à Xboxygène de me rendre. De me rendre. De me filer le. Je sais pas si je peux aller la chercher, la vidéo de ce que j'ai fait, parce que j'ai fait la première partie avec les collègues. On va changer, je vais mettre Daymare. J'espère que j'ai encore un peu de batterie sur le téléphone. Ah! Ah, Koshi qui vient d'arriver sur Insta! Merci copain! J'ai Sakel qui m'a dit lance le jeu, dépêche-toi, tu parles trop. Merci chérie. Moi aussi je t'aime. Bisous bisous. Ils ont rajouté Tortank sur Pokémon Unite. Zardrak, arrête, tu vas avoir envie d'y jouer avec toi après, tu arrêtes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le nouveau planning de la chaîne, mais j'ai essayé de mettre en place un game viewer un dimanche sur deux. Et je pense que. Merci pour l'abonnement, à cause de toi, je vais me sentir obligé d'être souvent sur ces streams. T'as pas à te sentir obligé d'être sur mes streams. Le monde de Twitch est immense. Vogue au gré de tes envies, mon avis, Marshall. Oh, Daymare! Il m'a fait un peu flipper. Vogue au gré de tes envies, et quand tu es là, tu seras le bienvenu, et si tu n'es pas là, eh bien on ne te boudera pas. On aime tout le monde. Allez, let's go pour Daymare. Qui m'a bien plu, Daymare. Ah! Viens passer un bon moment entre copains, qui dit Zardrak. Daymare, zéro spectateur. Et ben hop, comme ça on va mettre à jour et on aura peut-être 8 spectateurs. Je vais peut-être récupérer le truc des viewers maintenant qu'on a un peu de monde. Allez. Ça fait pas trop prétentieux si je mets ça ici, ça vous convient? Alors, 24 heures se sont écoulées depuis que Raven a été éjecté de l'hélicoptère Delta alors qu'il se dirigeait vers Kinsight pour le rendez-vous avec son unité. Fort heureusement, le capitaine a survécu à sa chute mortelle en traversant la verrière d'un appartement, situé au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Le masque à gaz adhérait fermement au visage de Raven, filtrant l'air contaminé qui infectait les habitants de Kinsight. Ah, c'est vraiment trop fort! Donc, chapitre 3, on va continuer. On peut savoir pourquoi je suis là. Justement, c'est pour passer un bon moment entre copains que je suis ici. Nickel. Ça prend pas de place. Ah oui, bah ils sont un peu nombreux là. Ah, lumière! Oh. Alors, j'ai pas de vie, j'ai pas de soins. Oh, mais ça commence bien, on sait même plus ce qu'on doit faire. Ah! C'est la loose. Non! Bienvenue sur le stream de Celtic Robin où le décès chargeait un point de sauvegarde. Aïe aïe aïe. Et oui, je disais, un dimanche sur deux, je vais faire une game viewer, donc je vais jouer avec les gens. Attention, quand je dis game viewer, c'est les gens que je connais qui sont réguliers, c'est pas n'importe quel Jojo qui va venir. Eh, hey, je peux jouer avec toi! Alors, pourquoi on est là? What the fuck? Je me rappelle pas m'être arrêté ici. Intriguant, intriguant. À la tienne, Zardrak. Oh shit, god. Ah bah oui. Je me rappelle. Oupsi doupsi. Ok, donc. Alors pour ceux et celles qui connaissent Resident Evil, vous allez avoir une impression de déjà vu. Par contre, ils se sont gavés en mettant des références, dont une ici. I know what you did last summer. Je sais ce que tu as fait. Non, mais comment c'est pas? Ah cool, j'ai regardé pour le pack Halo, il y en a pour 750 euros. Oui, ça fait beaucoup. Est-ce que quelqu'un a les références? Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Il est perdu. Au couteau, on a dit qu'on disait pas les trucs vrais. Je suis pas perdu. Au couteau, je suis pas perdu. Je suis juste un petit peu égaré.
C'est Souviens-toi l'été dernier, le film d'horreur. Ou le trailer. Alors attendez, par contre. Là où ça va poser problème. Ah, c'est que je suis un âne. Ok. En fait, j'ai des munitions, mais je t'ai pas foutu de les mettre dedans. Une DeLorean. Oui! Zardrak! Tu sais, je t'aime quand tu me parles comme ça. Une de putain de DeLorean. Et vous voulez la preuve? Bam! Out of time! Vous en voulez des références? Il y en a plein dans le jeu, c'est trop bien. C'est la DeLorean. Bien joué, Zardrak. J'avais oublié en plus. Ah, missing. Attendez, il y a peut-être quelqu'un là. Ah! Quelqu'un a reconnu. Mais non, mais ils sont sérieux! Quelqu'un a reconnu ça ou pas? Je passe en sourdine pour ne pas trop spoil. Danser la Macarena sur une jambe avec un canard sur l'épaule pour m'invoquer. Elle me tue, sac. Putain, chérie. Mais en fait, gardez tes phrases et on les met dans les. Pals, on dirait le poster de Fren. C'est ça. Saquel, s'il te plaît, chérie, garde les phrases que t'as mis et on les rajoute dans les phrases de la chaîne. À chaque fois, tu dis des conneries, ça me fait marrer. Ouais, c'est ça. C'est Friends. Bah, tu vois, je viens de trouver encore une nouvelle référence. Il y a plein de rêves dans leur jeu, ils se sont gavés. D'ailleurs, il y a des. Je vous montrerai quand on finira la session, mais il y a des cerfs à. Oh merde! Ah, on va pas pouvoir passer par là. Il y a des cerfs qui sont cachés, des petites poupées, des petits doudous. Là, il y en a deux, vous voyez en haut à droite. Et ça fait des clins d'œil au film d'horreur. Ah, on a de la munition, mes amis, on a de la munition, hein! Je me suis. Égaré. Voilà. Le système est vraiment bien foutu, hein. Franchement, le jeu a rien à. Et le jeu n'a pas à rougir. Hein. Cheryl Hotel. Alors, Cheryl, pour ceux qui connaissent pas, c'est le prénom d'un des personnages dans Silent Hill. Alors, on va attendre qu'ils viennent ici. Ah, bah attendez, mais on peut peut-être les esquiver. Au revoir. Ah, merde. Non, lâche-moi. 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 Oh, merde. Oh, mais attends, cet abus! Il y avait la fréquence radio de Meryl lundi et un Suprême US que j'ai vu en rediff. Et une Suprême US, je sais. Au risque de passer pour un gros con, qu'est-ce qu'une Suprême US? Un véhicule? Que t'as vu en rediff. Voilà, ça fait partie des gens qui me font plaisir. Merci d'avoir regardé la rediff au couteau. C'est le beau geste. Alors attendez, on va juste prendre ça. On va recharger nos putains de munitions. Une Super Nintendo US. Ah oui, oui, on avait vu, exact. Avec le jeu de PlayStation Daymare, d'ailleurs. Ils font le petit clin d'œil. Et il y avait des posters de films, Alien, etc. Merde, c'est pas la bonne touche encore à chaque fois, mon Dieu. Mon Dieu! Allez, ce système est cool aussi, hein. Let's fucking go. Oh, bonjour, Thierry Lhotel, donc le personnage principal d'un des dindons, des dindis dindons. Bam. Oh, quel talent. Et c'est le décès des zombies. Alors, le décès, non, des fois, il se relève. Comme ça. Par contre, ça aussi, voilà, c'est bien fait dans le sens où quand tu leur mets une balle dans la tête, t'es jamais sûr s'il calanche ou pas. Ok, donc il y a un type qui s'est tiré. T'en as sur la gauche des posters. Ah oui, on va prendre le temps de regarder. Mountain Cold, non, il n'y a pas de référence. Si vous voyez des refs, hein, faites péter, mais ça, le Cheryl Hotel, c'est clairement un clin d'œil à Silent Hill. Welcome to the real world. Bienvenue au vrai monde. Death Rides the Forest. One man in careless. Ça, j'ai pas compris. Wanted. Kingside Police Department. Bienvenue dans le vrai monde. Un petit train. Friends encore. Audio crunch crunch. Tchoui tchoui tchoui. Shark Die Hard. Il y avait Oh, c'est joli ça.
Fear and loathing. Keep clear. Overland One Yard. On va aller dans un bar. Bah, ça fait penser au bar de Resident Evil 3. À un moment, on traverse un bar. Dans RE3. Purée, le nez me gratte. C'est cata. Les trous de nez me grattent. L'épinéphrine. Médicaments qui sont un peu tendus. Hein. Combiné à un adjuvant. Toujours pas celui de l'armée, hein, bien évidemment. On se trompe pas. Attendez. Je vais recharger les munitions tout de suite. Bon, alors, c'est un peu fastidieux comme mécanique. Mais... Ah, mais c'est pas vrai! C'est tellement logique, en fait. Tu mets les balles. Je me suis chié dessus. Tu mets les balles dans le chargeur dans le pistolet. Especially on Fridays. Man, I could use a drink. On va regarder notre niveau de vie aussi. 29% de santé. Bon, bah, il est temps de nous injecter la seringue. Hop. Pas sûr que ça ait fait grand chose. Non, on a une meilleure endurance. Document. Ah, ah oui, alors pour ceux et celles qui n'avaient pas vu le premier épisode qu'on a fait sur le jeu, ils ont un truc à la Doom. Le site que vous voyez, Exacorp Biogénétique, c'est un vrai site internet. Vous vous rendez dessus, vous avez la liste des collectables, secrets entre guillemets, vous pouvez trouver, et vous rentrez l'indicatif de fichier, et ça vous donne accès à la lecture du dit objet. Et en gros, ça étoffe le scénario hors console, hors écran, en fait, en quelque sorte. Je trouve le concept vraiment bien. Je trouve que lui, il va me saouler. Je me casse. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. On peut aller un peu de partout. Et oui, on a bien fait de se promener. Ah putain, ils vont me saouler. Ah, c'est la merde là. On est obligé d'en descendre certains. 3 balles. Ah, il y a un autre truc aussi, quand vous rechargez en courant, le personnage fait tomber son chargeur. Et vous êtes obligé de maintenir appuyé. Ça pue. Ah, si je maintiens appuyé. Ah, zut. Mort, pas mort. Ah, un petit problème. Pouette. Donc ouais, je suis obligé de maintenir appuyé, sinon le perso il met le... Il met le chargeur au sol et vous pouvez... Bah, plus recharger correctement. Bon bah là, la bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé pas mal d'objets. Oh ! Munitions... Calibre 50. Épinéphrine et gain adrénaline. Ah, je savais pas. Je connaissais le nom. L'épinéphrine, à force de regarder des séries, des conneries, des machins, là. Je sais plus ce que c'était. Merci, Zardrak. Non, au couteau. Merci au couteau. Les gars, pour moi, c'est des frères dans la vraie vie, tu sais. Ok. Bon, ce charmant véhicule m'a bien pété les noix. Est-ce qu'on peut... Munition, un carton contenant des balles de 50 mm. Utilisé avec le Predator. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que je peux avancer. Desert Eagle. Ah. Je regrette juste un truc dans le jeu, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre des coups de couteau.
Ah, il faut que je rush. Oh purée. Ah! Je vais prendre le document! Oh non, ça par contre c'est de l'abus. Hein. Je perds moins de vie quand j'ai un certain seuil et je peux le repousser. Et à partir d'un certain seuil de vie, peu importe si je spam comme un porc ou pas, ça passe pas. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le stream, je vois qu'il y a du monde. Bienvenue tout le monde. Ah non, on recommence d'ici, c'est moche. It is so moche. Oh merde, j'ai pas rechargé. Oupsi doupsi. Bienvenue tout le monde. Ah mais oui, c'est bien un sale vilain qui a... On va voir les aides. Voilà. On va recharger. Bah non. Oh là là, mais c'est une cata. Ça y est, vous êtes trop nombreux. Je perds mes moyens. Bon, est-ce que je peux vous dégommer? Politely. Non, non. Voilà. Ah non, en fait, j'ai dit peut-être une connerie. J'ai l'impression que c'est 15% minimum de perte de vie. J'ai l'impression que c'est 15% minimum de perte de vie qu'on chope quand on se fait attraper. Donc, première chose, mettre des babales dans le truc à babales. Ok, voilà, maintenant recharger le truc à babales. Voilà. Reprendre les babales. Remettre des babales dans le chargeur à babales. Je vais vous montrer. Ouais. Si j'appuie juste une fois sur X. Bon, là je peux pas. Parce qu'il y a déjà des munitions. Mais en gros, il va lâcher son chargeur. Ouais, on est obligé de faire ça. Ah mais non, mais c'est un humain qui a dégommé un autre à la batte de baseball. Bon, au passage, il attire les deux. Ah bah c'est pas les mêmes. Hop là, la panique. Évidemment. Allez, pousse-toi. Super. Alors regardez, si j'appuie qu'une fois, chargeur est par terre. Et faut que je ramasse. Bon, ils m'ont saoulé, je me casse. Le petit sprint pour leur mettre un peu une dose. On va repasser par là. Ah oui, je peux pas ouvrir une porte en courant. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu... Certaines portes se ferment, mais pas toutes. Là, on est bon. Lui va nous embêter. Mais non, je fonce dessus. Quel âne. Ok. On va se concentrer 2 minutes. Vous êtes mort comme un gros boulet. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que... commence à connaître bien ce côté. Hein. Alors, putain. Voilà, oups. Munition. Ça refait la même séquence. J'ai essayé de les fumer sans me faire avoir. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul chargeur. Donc, j'ai le chargeur qui est dans mon arme. Merci. Plus le chargeur qui est dans mon pistolet. Ça fait pas beaucoup. Allez. Oh, sérieux. Ok. J'avoue qu'un coup de pied pour les repousser ou un coup de couteau dans la tête, ça aurait pas été trop. On est d'accord. C'est que le problème, c'est que ça manque en fait. Il n'y a pas de coup au corps à corps. Tu peux courir, regarder ton bracelet. J'ai pas de santé en plus, donc je vais me faire bolosser.
Ah, mais si, j'ai ça, quel con. Ah, voilà, ça remonte un peu. Le problème, c'est que je suis obligé de dégommer. Je perds des munitions précieuses. Mais bon, j'ai pas le choix. Mais dans Resident Evil, on a un couteau. Il y a toujours moyen de se défendre sans armes. De là à tuer toute la fratrie. Avec le couteau, je dis pas, mais. Voilà, le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. On va essayer de choper les munitions là ici et ressortir vite. Voilà. Ah là, on est pas mal là. Oh, bien joué. Juste essayer de pas me bloquer. On peut faire un demi-tour. Oh, c'est pas mal là. Oh, Central Park, Friends. J'avais pas vu. Pardon, mais je fais une capture. Oh là, la panique. Ah, oh, purée, j'ai pas eu peur, mais un petit peu quand même. J'ai eu peur, j'avoue. Je veux pas qu'il me croquette. Ah, oh, la panique. C'est... Oh non. Ah, chier. Central Perk dans Friends. Ouais. Oh non. Zut. Ah merde, je suis mort. Ah non, je suis pas encore mort. Oh non, tu te fous de ma gueule, machin. 20%. Il m'a saoulé ce passage. Il est c'est n'importe quoi. La difficulté, elle est faite avec des fois un peu le fion. Hein. Aïe. Bon, par contre, on a trouvé des easter eggs sympas. Oh putain, j'en ai marre de refaire tout le temps pareil. Sérieux, là. On peut pas les esquiver. Ils sont tellement abusés. Et je tire tellement comme un nul que bon. Allez. C'est bon, t'as rechargé, là. Allez. On peut pas passer à la cinématique non plus. Si je mets sur pause. Putain, non, eh, sans déconner, hein. Pas de coup de pied, rien du tout. Ah ouais, non, mais d'accord, maintenant je tire dans le vent. Ah, un charmant bug sur sa tête à elle. C'est Nawak. Et lui là, putain, il peut pas m'ouvrir le salaud. T'es m'obligé à faire tout le tour. Bon allez, on y est, on y va, on va essayer de tous se dégommer parce que... Ah bah j'avais pas vu. Le Blindside, un journal satirique clandestin qu'on trouve dans les banlieues de Kinside. Ce numéro a pour titre « Ne faites pas confiance au système, le système vous surveille ». Ok. Est-ce qu'on peut dire solennellement qu'on n'en a rien à péter? Allez. Ah, je vais quand même prendre mon petit goûter, moi. Voilà. I used to love this place when I was off duty, especially on Fridays. Man, I could use a drink. Claude se réveille derrière. Lui, il est là. Je sais plus ce qu'il y avait là-bas. Ah si, des balles de spécial. Alors, prenez. Ça aussi, c'est pas ouf.
peux passer derrière ça? Ah. 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 C'est la loose. Ah, c'est passé. S'il veut bien arrêter de se bloquer dans tout ce qui bouge. Venez par là. Oh non, mais... J'appuie pour courir, c'est chiant. Là, ça devient chiant, là. Les munitions ici. J'en avoir plus que besoin. Allez, il faut que je trace, sinon il va arriver sur moi. Voilà. Le central perk. Allez. Je suis obligé de tirer comme un âne. Ok, là il faut que je cours là-bas. Mais il y a encore un type là en feu. Non. Extrêmement nul, extrêmement nul. Je me bloque contre un truc du décor pourri. Ça, c'est de la merde. Et en plus, c'est qu'ils crèvent pas les machins. Non. On le voit. Oh non! Mon chargeur est tombé puisque j'ai... Oh bah bravo. Mon chargeur est tombé. Puisque j'ai couru comme un con. En rechargeant. Je suis foutu. Ah, maintenant je peux taper. Je viens d'apprendre. C'est une blague. Bon, allez, je meurs, ça m'a saoulé. Putain, c'est quoi ce délire? J'ai pris la fuite, je me suis chié dessus. J'ai putain de rechargé, mon chargeur est tombé. Et là, j'ai mis un coup, je sais pas par quel miracle. On pouvait mettre des coups de poing. D'accord, super. Merci de prévenir. Bon, bah, effectivement, on a un coup au corps à corps. On vient de la prendre, ça aurait pu me servir, mais tellement un nombre de fois incalculable depuis le jeu, début du jeu, c'est une honte. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose non plus. Hein. On va pas s'enflammer, on est sur Daymare. Hein. Allez. Oh les cœurs. Lui, c'est rien qu'un gros vilain. Ah, j'en ai marre de tirer à côté comme une bleusaille. Bon. On est pas mal là, non? Si elle se lève, je les vois. Ok. Alors, une blague. Que vous le tapez. D'accord, ça les repousse juste et ça fume mon endurance. Bon. Ça vous dit on arrête parce que ça m'a saoulé. Je crois que c'est une dernière fois, mais c'est insupportable cette difficulté débile là. Déjà la dernière fois il nous a fallu 3 heures pour faire le chapitre 2 là. Je trouve ça mais aberrant. Allez, dernière chance et puis si jamais ça foire j'ai bien d'autres choses à vous présenter. J'ai encore racheté des jeux tout à l'heure. Mais pas cher promis, ça nous a coûté... J'ai acheté des jeux à 2 euros en fait. Je vous montrerai. On va peut-être prendre le petit goûter maintenant. Voilà. La lampe.
Depuis tout à l'heure, je me balade sans la lampe. Pourquoi? Je ne sais pas. Toi, t'es un fumier, toi. Salaud, 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 salaud. Allez. On a tic et tac. Ranger du risque. C'est qu'il marche vite en plus, hein. Ah ben là, la personne meurt. Un chargeur complet. 11 munitions pour tuer 2 Z. Il est sympa, Ancestor. Vache. Saké l'a acheté Ancestor. Attendez. Parce que moi, je vous ai fait une liste de jeux. Celui-là. On va l'installer. Parce qu'on pourra peut-être le découvrir. Si la console veut bien. Puis ça permet de faire un break dans Daymare. Parce que là, je vous avoue que me faire saucer 20 fois pour des conneries. Je suis moyen fan. Bon. Ah. Microsoft Store à jour. Allez, on dit qu'on fait pas. Alors, on en est où? Alors, parce qu'à force de courir comme un âne, est-ce que j'aurais pas raté quelque chose? Ah, en jouant à Assassin's Creed Valhalla, j'ai appris que Skal, ça voulait dire à la vôtre. Ou santé, plutôt. Ah. Voilà. C'est tout. I used to love this place when I was off duty, especially on Fridays. Ah, et ce drink, on sait. On a bien compris que tu voulais drink. Oh. On va vite recharger. Oh purée. Ah! Comme kampai en japonais, c'est ça. J'ai appris ça tout à l'heure, j'avais... Je tape, mon dieu, je tape. Voilà, toutes les munitions que j'ai. Dans le cul, Lulu. Un tonic. Pas de charge, pas de plomb. Prendre ces balles là. Bon, je vais pas y couper, je vais être obligé de la descendre. Tout du moins d'essayer de la descendre. Oh, formidable. Maintenant, on va mettre. Voilà. Oh, c'est de là d'où je viens. Banane. Into a nightmare. This place will never be the same. On va essayer de les attirer en fait. Raté. Ah, il fallait que je tente. Ah ! Saloperie de mob de merde.
Ok, calanché. Allez! Pour le beau jeu, laisse-toi prendre une balle à la tête. Chargeur vide. On va pouvoir peut-être y remédier. Bam. Ok, maintenant ils se sont transformés en fragiles. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries, Wicca? Si ça marche pas, t'as essayé quoi? Un sucre? Attendez, mais vous avez vu ou pas? Parce qu'ils sont putain de durs à tuer, certains, il leur faut genre 12 chargeurs. Et là maintenant, The Apple Tree. Ah oui, et là maintenant, une balle dans la tête, ils sont tous morts gentiment, et en plus ils restent pas. Foutez de ma gueule. Attendez, mais le type est passé par là, dans ce bâtiment. Le fumier. Oh, il y a un document que j'avais raté en plus. Mise à jour de l'opération. Priorité élevée. Colonel Jessup. Colonel, j'espère que vous recevez ce message à temps. Le département de la Défense vient de nous informer que l'opération de quarantaine du secteur I-8 pourrait être plus délicate que prévu. Au lieu d'une population touchée par une banale épidémie, vous pourriez vous retrouver face à un résultat d'une attaque chimique contre les États-Unis. Selon les derniers éléments, les citoyens de Kinside pourraient se montrer hostiles à cause des effets du gaz, capables de les transformer en d'impitoyables machines à tuer. Il n'est pas logique ce jeu, non. On est d'accord. Vous trouverez 6 juin les données expérimentales sur ce sujet, j'espère qu'elles vous serviront lorsque vous ferez face à l'ennemi. Et oui, le gaz castor. Oh putain, j'avais pas vu. Bon bref, en gros, ils doivent expliquer que le gaz castor, ça... ça transforme... Un gâteau? Une barre énergétique. Que le gaz castor, ça... Close. Ah! Balle spéciale. Oui, que le gaz castor transforme les gens en zombies. C'est le même principe que le virus T, c'est une espèce de bordel volatile. Bon, par contre, c'est son unité à lui qui a foutu le merdier. Je dis ça, je balance bien évidemment les DOS. Ah bah... Cassé. À la une de Kinsight Herald. Elle mentionne la série de disparitions dans la forêt Vermilion. Apparemment, ce n'était pas des incidents isolés, mais des cas plus fréquents. Très bien. J'avance doucement là maintenant, parce que j'en ai marre de me faire blosser, il m'a saoulé ce passage. Bon bah on continue d'aimer, hein. Vous avez de la chance. Oh là là. Voilà, deux. Tu sais jamais combien de balles il faut pour les tuer, et tu sais jamais s'ils sont vraiment morts ou pas. Ah lui il est vraiment mort par contre. Superviseur audiologue. En gros, il faisait des tests sur des gens dans sa troupe et qu'il est en train de les rendre très dociles et qu'il ne reste pas beaucoup de tests à faire pour que ça fonctionne. Concrètement, c'était ça. Sauvegarde. D'abord dans ce cul-de-sac. Non, c'est rien, c'est mon personnage qui me fait peur. Là, je suis en mode normal, hein. Le mode difficile, c'était écrit si vous voulez détester les développeurs de Daymare. Déjà les gars, quand vous commencez comme ça, vous partez pas gagnant.
On va regarder 83 points de vie. De chocolat et de piment rouge. Et rechargeons. Pour être full. Propriété privée. D&D. Gun shop. Ah bah c'est le fameux... C'est pas les mêmes munitions. Voilà. I can't remember the last time I saw this court so empty. The kids used to practice out here religiously. What? Ça fait penser à un autre jeu vidéo, la canette qui s'éclate comme ça. Oh mince. Mort. Et c'est un militaire. Mais voilà, voilà. C'est ça que je comprends pas. Je pense qu'il y a un problème avec les le moteur du jeu. Parce qu'autant il y en a qui meurent en une balle, autant il y en a qui crèvent en 50 fois. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une cassette. Argent audiologue. Bon, bah, c'est à faire cette audiologue. Looks like we'll have to evacuate the station, at least for the night. There's been a gas leak close enough to the control room to jeopardize our instruments. Not to mention our safety. That could have happened on a better day, that's for sure. For once, I can enjoy an environment where I can interact with real flesh and blood people, rather than being stuck behind a monitor observing their actions and behaviors. Super. Nexa Warrior Queen. Est-ce que vous avez les refs, les amis? Je pense que ça va être pour Zardrake au couteau. Ah oui, bah oui, là on en a. Et peut-être Marshall, je crois qu'aussi tu fais partie de la old school team. Nexa Warrior Queen. Eh yes, Xena, la princesse guerrière. Celui-là. Polybus. The Conspiracy, je ne l'ai pas. Par contre, je l'ai, celui-là, Full Life. Full Life 3, en plus, c'est vraiment des salauds. Hein. Est-ce que vous l'avez? Killer Shark. Full Life, Half-Life, très bon. Au couteau, au rendez-vous, notre ami. T'as vu, c'est stylé, quand même, hein, les... Tu le vois, en plus, avec ses lunettes. Half-Life. Par contre, celui-là, je vous avoue que j'ai pas. Insomnia, je l'ai pas, celui-là je l'ai pas. Ah bah Xeno, c'est Alien ça. Putain, je suis fan de Flipper aussi. Ah, c'est pas ce bon côté, pardon. Les fléchettes. Ah, les endroits exigus, hein, ma passion. Ah, va falloir couper le courant. Je suis allé du bon côté sans le vouloir. Coucou. Bon, il sort d'où lui? Oh, raté. Paf. Encore. Non. Xeno alien, yes. Raté, raté. Ah bah voilà, un autre problème. J'ai lâché le chargeur dans les escaliers. Sauf que je peux pas le récupérer. Ça par contre, c'est pas possible. J'ai fait un rechargement rapide, j'ai perdu le chargeur. En plus, il y a quoi que je suis venu prendre là? On se marre un peu.
Je sais même plus ce que j'ai ramassé. Ah, 1998. Bon bah j'ai perdu mon chargeur. Ça par contre c'est tellement puant. Bah, je suis pas censé couper le courant. Non, ça c'est une lampe. J'aurais pu rentrer dans le terrain de foot. Oula. Ah. Des armes? Pas me dire qu'il va pas prendre d'armes. Voilà, quand même. On va la détendre à coup de shotgun. Clic clic. Damn it, Joe. You were a good friend. I wish I could have. Dernier message de Joe. C'est pas simple d'écrire ceci, surtout en sachant que c'est la dernière chose que j'écrirai jamais. En vérité, je n'ai jamais grand chose à dire, et pas de ma famille à qui adresser. Et pas de famille à qui adresser ce message. Ma vie a été uniquement consacrée à une chose, ma passion pour les armes à feu. Cela m'a permis de créer un empire. Et je partageais cette passion avec quiconque lira ceci. 30 longues années se sont écoulées depuis que mon partenaire Robert Dillon et moi-même avons ouvert notre première boutique en ville. Enfin, le Remington M870, un classique du jeu d'horreur, le fameux fusil à pompe. Alors nous, on l'appelle le fusil à pompe parce qu'on n'est pas très très connaisseur, mais c'est un Remington M870. Une deuxième, une troisième, blablabla. D&D Fire Arb est devenu un symbole de fiabilité. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Appuyez sur la gâchette, c'est fini pour moi, j'enlèverai plus de vie, même pas la mienne. À vous qui lisez ce message, je vous confie mon fusil de chasse. Comme d'habitude, D&D est ouvert au public. Bon, bah en gros, c'est sa lettre de... Y'a qu'un gun? Ah oui, on arrête le courant, là. Waouh. Excusez-moi, mais la facilité du... Murder, à l'envers. Y'a que ça comme arme, mais vous t'en foutez de moi. Y'a des couteaux et tout, hein. Il a l'air de faire un peu plus mal celui-là de flingue. Bon. Persatique était un peu trop chaud. Il fallait pas tout allumer en vert, il fallait tout allumer en rouge pour éteindre la commande. Ça me paraissait logique, mais j'étais tellement fier de mon truc en deux coups que... Ouais, on appuie et ça appuie sur tout. Oh là là, quel talent. Quel talent, mes amis. Ou pas. Évidemment. Évidemment. Je sais pas si je peux le descendre, mais faut que je fume. J'aimerais bien prendre la cassette qu'elle a.
On va essayer, hein. Il a pas l'air frais, hein. Sa main droite a fusionné dans son... dans sa hanche. Il a les pustules dégueulasses et sa main gauche, on dirait son os en fait, de bras. Bon, c'est raté. Comme un bébé Némésis, il va essayer de cracher. Et voilà. L'intérêt avec le fusil à pompe, c'est qu'il n'y a pas de chargeur, rien du tout. Les munitions, on les colle directement dans le flingue. Bon. Il y avait des objets, là. Non. Be afraid, be very afraid. Don't jump, but fly. Bah, on dirait Groot. Vigilant is the key, the metacortex as you. Blood on the basketball floor. Et ça. On dirait le truc des 12 singes, non, j'ai une connerie. CSR03. Ça fait penser à un jeu d'horreur avec des canettes. Qu'est-ce que c'était que ce jeu d'horreur avec ça qui tombait dans la ville? Un Dead Rising peut-être, non? Ah, je sais plus. Ah. C'est le blind sight. Naomi toujours là. Vous l'entendez le... Il y a un doudou là quelque part. Ah, ok. Ici, il y a une porte secrète. Non ? Ah, c'est bon. Il y a une porte secrète, en fait, le bip. Il va être là, le doudou, non ? Il est là. Ça va être Friday. Il y a un bec de canard de pirate. Hop. Ah, mais c'est bon, j'ai un chargeur, super. Celui que j'ai perdu tout à l'heure. Oui, il y a des pièces secrètes, c'est ce qu'on apprend dans le chapitre 2. Quand ça bip comme ça, c'est qu'il y a une cache secrète et une porte dérobée dans la ville. Voilà. Je me suis déjà fait avoir une fois, en fait, et c'est là où j'ai perdu du temps. Par contre, ça, c'est hyper flippant. Tu crois que... J'aurais testé. Die then, die. Ça sera gentil. Bon, maintenant que j'ai un chargeur, je vais pouvoir charger tranquille. Bon, à la base, ça aurait pas dû se passer comme ça. Hé, l'herbe verte. Bon, on va recharger encore. C'est un peu lent, hein, par contre, tout ce qui est mécanique. Ah, il faut d'abord que je vide le chargeur, et ensuite je peux le re-remplir avec autre chose. Ça, c'est pareil. Hein. C'est bien foutu aussi. Quato Lives. Ok, encore un document. Une brochure de la ville. Qu'est-ce qu'on a ici? Protein Drink. Oh, un bus scolaire. Check, please can escape from here.
Ouais. Pas tout compris, mais... Ah, saleté! Oh non, j'ai appuyé pour taper! La ref à Total Recall. Ah, j'avais pas celle-là. Je l'avais pas, merci. Merci au couteau. Oui, un peu caca là. On va pas se mentir. Encore? Le blend site, le journal satirique. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la mort, ne buvez pas. Il évoque en détail les prétendues expériences menées par Hexacorp Biogénétique sur le système de traitement des eaux de Kinsight. Ah non! Ça veut dire un niveau dans les égouts. Par contre, il y avait vraiment des trucs. Police line. Alors attendez. Ah, Hexacorp. On est où? On est dans cette allée, il y a plusieurs trucs au fond. Ah bah Hexacorp. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'épinéphrine. Ah, une puce. Les puces, il faut les échanger sur des certains sites. Fax professionnel demande un nouveau lot de pilules. Le sédatif a démontré sa capacité à réguler le sommeil et à l'état de veille. Anxiété, ok. Des infos sur les... Oula. Ça pue. Ah, un vrai labo. Ça, c'est les salles de sauvegarde. Il n'y en a vraiment pas assez dans le jeu. Snake Plissinski, New York 1984 et Los Angeles 1986. Oh putain! Snake, please. C'est avec, comment il s'appelle, l'autre, ça, c'est dans la ville. Le New York. New York 1984 et Los Angeles 1999. Et aussi le nom que prend Solid Snake dans Metal Gear Solid 2. Ah, il y a plein de rêves que j'ai pas. C'est dingue. Stock. Ah oui, on peut lui filer la puce. Alors, au cas où les secours n'arrivent pas à temps, ce rapport est adressé à la corporation pour détailler ce qui s'est passé. Et pour mettre en garde mes collègues agents qui tomberaient sur... Frost ou moi-même. Salut Sly! Kurt Russell, merci. Ah, il est trop bien lui. Suite à nos instructions, nous sommes rendus à la pharmacie Hudson Street pour récupérer les données de recherche puis en détruire toute trace, cobaye compris. Mais à peine le seuil franchi, nous avons découvert qu'un des spécimens était sorti de sa cage. Il n'avait pas l'air menaçant ou agressif, il avait plutôt l'air abasourdi. Mais alors que j'attrapais le sujet humain, il m'a frappé dans les côtes avec une force inimaginable et s'est enfui par la fenêtre lorsque Frost a ouvert le feu. J'ai envoyé Frost à sa poursuite et suis resté sur place pour appeler les secours, mais vu la situation, je doute qu'ils arrivent bientôt. Ce truc m'a bien amoché, j'ai l'impression que je fais une hémorragie interne. J'ai mal rien qu'en respirant. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, j'espère que Frost ne va pas se faire corriger aussi. Ah mince, il faut que je la donne la puce. J'appuie sur B, quel boulet. Ah, ok. Ah bah on va sauvegarder. Voilà. On joue plusieurs protagonistes aussi dans le jeu, hein, ça c'est plutôt sympa. Je regarde l'heure qu'il est, demain je me lève tôt. Allez, monsieur, encore trompé de touche. On peut faire des échanges aussi, on peut récupérer des munitions en échange de plusieurs objets. Par exemple, je vais récupérer 15 munitions si j'échange mes deux trucs d'épinéphrine. Sauf que l'épinéphrine plus les seringues classiques, bon... Objet nécessaire. C'est des trucs qui sont trop abusés. Le Predator, je ne l'ai pas. Le fusil à pompe, je garde. On va aller se créer une seringue. On va remettre le truc d'épinéphrine là-dedans. Voilà. On est pas mal. Eh bien... Ah,
J'avais pas. Acétylène. Bon, on a la save. Ça, c'est bon plan. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Il y a un petit truc qui est pas très très bien aussi dans le jeu, c'est les sauvegardes. Encore un article du Vermillon Tribune sur Kuronosu. Entreprise, un géant pharmaceutique japonais forcément, très puissant, à l'origine de plus de 50% de la production mondiale des médicaments. Apparemment, la société aurait été fondée par les individus soupçonnés d'avoir un lien avec l'unité 74. Si tristement célèbre en temps de guerre, c'est ceux qui ont fait le virus dégueulasse. No fate. On va regarder la carte. Ok, il y a un passage à gauche, un passage à droite. On va aller là. Génial. Hop. Samuel Midcolf. Ok, y a-t-il une référence, mes amis? Samuel Midcolf. Résolvez l'énigme de la fontaine. Merci Resident Evil. Ah oui. Oh non. Pff. Voilà moi comment je la résous l'énigme de la fontaine. J'ai voulu la résoudre à coup de fusil à pompe, là, l'énigme, mais c'est pas passé. Oups, là, là. Bon. Eh bien, on va pas aller tout de suite à l'énigme, on va aller... Ah bah, j'avais oublié un truc. Merci, dégoûte. Par contre, quand on meurt, je comprends pas. Enfin, quand on respawn, on a toujours le... La lampe qui est éteinte. Je pense que ça doit être un problème de... Oh ! Sérieux ? Ça m'a fait sursauter. Snake Plansky, escape from here. Encore un document. Ah, un fichier qu'il faut aller checker sur internet. Je peux savoir où je vais là? Aucune idée de d'où je peux aller là. Enfin. Oh bah non. On était si bien sans vous. Oh, raté. Encore raté. Touché. Allez. Oh mais non, je mets un coup, ça passe pas, c'est naze. Hop. Oh. J'en ai marre de baptiser. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 4 égale 5, 4 et 2, 6, oui d'accord, super, des chiffres romains. 10, 13 et 3, 16, super. Très 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 content d'avoir appris à compter avec les chiffres romains. Bon, maintenant que j'ai perdu mes munitions, ma Lévi, No Fate Terminator 2, pas de destin, mais c'est ce que nous faisons.
C'est ce que grave Sarah Connor sur la table dans le désert. D'accord. Putain, en fait, il y a des centaines de refs. Et ça, c'est la ref de quoi? Non, je déconne. Qu'est-ce qu'on a? Sakamura. Family Diner. Just got more. Exciting. Ok. On l'a pu pour les restos. Ah bah voilà, on va pouvoir se faire des méga seringues. Des cocktails, comme on dit. Il y a des références de planquer partout dans le jeu. Ah, c'est une blague. Et ça, c'est un cul-de-sac. Oh, par contre, le... Ah, oh! Oh, Betamix, c'est un truc qui est pas mal, là, ça. On a chopé un... Solution contient un mélange du tonic UR et de l'andro tonic. Bon, c'est de la santé plus... C'est de la défense et de la précision, et l'autre, c'est de la santé et de l'endurance. Disais, le petit bruit du flag, le drapeau là est très très bien foutu. No fate. Sarah Connor, bonjour. Moi j'ai proposé d'aller sauvegarder. Il y a quand même une bonne ambiance dans le jeu, il n'y a pas à se mentir, c'est très très bien fait. Gameplay un petit peu hasardeux quand même par moment, et puis la difficulté des mobs. Attendez, on va mélanger ce qu'on a à mélanger. Ok. Juste changer de. Normalement, je suis censé avoir deux chargeurs. J'en ai perdu un dans un bug Nars. On va vider ça, on va remettre des munitions conventionnelles. Voilà. Tout est chargé, tout est OP. Alors, est-ce qu'on peut stocker des choses? Les câbles prioritaires, ça nous permet de pirater certains dispositifs. Bon, bah non, hein. On va sauvegarder. Mode classique des années 90, j'ai mis parce qu'on peut choisir pas mal de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Je vais aller me coucher parce que je tombe un petit peu de fatigue. Au moins, on a une vraie sauvegarde et on pourra reprendre plus tard. Ce sera mieux. C'est celui-là de chat. Yes. Oh, c'était rapide. Je vais juste quitter. Ah non, attendez. What? Ah, mais j'ai compris pourquoi ça marchait plus mieux. J'ai dû toucher à quelque chose. J'avais enlevé mes slides. Donc attendez, je vais vous remonter. Dans les bonus, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Les petits dires, les petits cerfs qu'on récupère. Donc je n'ai pas raté un seul, je suis assez content. Aujourd'hui, on a récupéré celui-ci. Dire Willy. Ah non, Willy! Pirate Willy le Borgne. De. C'est Willy le Borgne. Ah, je suis content parce que j'ai toutes les références. Willy le Borgne des Goonies, bien évidemment. Là, on a le Facehugger. Et ici, on a Oogie Boogie. Ouais, les Goonies. Ici, on a Hannibal. Ici, on a Leatherface. Ça. Bah ça c'est ça pour le coup, Hit, avec Dierburg, c'est comment il s'appelle, c'est le petit qui se fait buter. Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Derex,
Freddy les griffes de la nuit, avec la queue en mode de griffe. Et le Carpenter pour John Carpenter, bien évidemment, qui a fait The Thing, la chose. Il y en a 20 à collectionner, on en a fait de la moitié pour l'instant. Par contre, on en avait trouvé un deuxième tout à l'heure, on est d'accord? Il y en avait deux? Attendez. Oh non! C'est une blague là! Ah non, c'est vrai que c'est le temps de chargement du début, c'est pour le chapitre 3, pardon. 2 sur 2, donc non, c'est bon, j'en ai rien raté. What? What? Mais attends, d'où ils me font recommencer? Quoi? Attendez, j'ai... Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, c'est bon, j'ai mon... Attendez. Attendez. Je viens de sauvegarder dans la machine. Et il me fait reprendre dans le bar. Ah, je me disais aussi. Putain. C'est quoi ce bordel? Bon allez, on va quitter ici, on va s'arrêter là. Daimer, machin. Bon, on a encore pas mal de choses à faire. Il est long quand même. Je sais pas combien de temps je suis. Je sais pas si je peux le voir. Dans le club officiel, progrès, statistique. Ah, statistique. Ah si, on peut le voir. Nous sommes à 8 heures de jeu. 8 heures de jeu. Alors que si on en juge par les petits cerfs à récupérer, on a fait la moitié. Combien de chapitres? On va regarder. Je vais regarder. Chapitre 2, j'ai fait que 100 G. Ah, les succès sont sympas. Terminé chapitre 3, 4. Ok, j'ai terminé le chapitre 3, terminé le chapitre 4 et terminé le chapitre 5. Alors, on a quelques succès où il faut finir le jeu en mode Daymare. Attendez, mais je vais vous mettre dans le chat. Vous rappelez le fameux chat? Le fameux... Bah, attendez, on va rajouter aussi navigateur. Voilà, comme ça, on voit un petit peu qui est là. Tiens, elle est où ma shop? Elle arrive. Voilà. Bon, je vais vous mettre ici. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Qu'est-ce que j'ai? Oui, donc, repousser. Et les photos. Les photos du jeu. C'est pas mal. Libérez-vous de 20 en prise. Pistolero. Ah, c'est... L'effort est là. Les rechargements... les puces, les documents, les journaux audio, les salles secrètes, les poupées de serre. Ah, on peut voir le reste. Il nous reste la moitié inférieure. Tiens, regardez sur la photo, il y a un problème. Est-ce que vous l'avez identifié le souci ? Regardez le cerf qu'il y a à côté de l'alien. C'est pas celui qu'on vient de ramasser. C'est pas Scream. Je sais plus celui qu'on vient de ramasser. Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler si vous avez suivi? Sinon c'est pas grave. Mais à côté de l'alien, on n'a pas ramassé Leatherface. Ouais, c'est Scream, mais c'est pas celui qu'on a ramassé tout à l'heure puisqu'on a les deux lignes du haut pleines. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Est-ce que le jeu est encore ouvert? Non. C'est dingue, ça, c'était quoi, à côté de... On n'a pas ramassé Scream, on a ramassé Willy le Borgne. Voilà. On a ramassé Willy le Borgne. Yes, merci au couteau. On a ramassé Willy le Borgne. Celle-là, progrès, succès. On va redescendre dessus. Ouais, on a ramassé Willy le Borgne. Et Willy le Borgne, il n'y est pas.
Donc ils ont remplacé Scream par Willy Le Borgne. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Mais on a trouvé ça. Alors, voilà, speedrun, terminer le jeu en 4 heures ou moins. Mec, il m'a fallu 8 heures pour arriver au troisième chapitre. Terminer le jeu sans mourir. Créer des types de fluides. Des échanges sur le terminal. Atteignez 50% d'overdose. Ah oui, parce qu'il y a un système aussi quand on s'injecte les trucs. On a un système d'overdose apparemment. Alors pour l'instant, on est bon. Pirater un terminal très difficile. Trouver le corps du programmeur. Ben, on l'a trouvé ça. Invader Studio recrute. Trouver le corps du programmeur. Et après, on a les succès secrets. Oh! Il y en a un paquet. C'est bizarre. Ah, mais oui, parce que c'est pareil. On le refera sans mourir. Ils sont gentils. Non, c'est bâtard. Il est grave dur le jeu. Après, une fois que t'as les mécaniques. Ça peut être sympa. Je vous montre vite fait ce que j'ai prévu. Une file d'attente. Ah bah non, c'est bon. Voilà. J'arrête pas de dire en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai préparé un petit peu de jeu. On a acheté tout à l'heure The Town of Light pour 2 euros et nous avons acheté Soma pour 5 euros, je crois. Et c'est des jeux que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Peut-être plus. Peut-être plus de Town of Light. Parce qu'on est sur un scénario à fait sur base de faits réels. On joue une jeune fille de 16 ans qui souffre de symptômes de troubles mentaux. Elle cherche des réponses aux questions sur son passé alors qu'elle explore le lieu où elle a passé la majeure partie de sa jeunesse. Guider Renée à travers un voyage sombre et émotionnel où divertissement, narration et réalité se confondent. Basé sur des recherches approfondies et inspiré par des faits réels, The Town of Light est un jeu d'aventure psychologique à la première personne qui se déroule dans l'asile psychiatrique de Volterra en Toscane. C'est apparemment le vrai lieu qu'on va explorer et on a un côté qui est assez glauque puisque les gens qui ont review le jeu vite fait, qu'on a regardé sur Xbox, avaient l'air de dire que c'était un jeu qui était vraiment particulier et qui était adressé à un public adulte, mais je vous avoue que le concept m'a vraiment touché et m'a vraiment plu. Il y en a plein des comme ça. Là en ce moment, on trouve des petits jeux comme ça, des perles avec Sakiel, et pour des fois, voilà, on l'a payé 3 euros. Et on a Soma aussi, qu'on a pris tout à l'heure, qui est un jeu encore de narration solo. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est un truc sous-marin. Voilà, un petit côté Bioshock, narratif. Donc ça avait l'air d'être bien aussi. Je ne sais pas s'il y a de l'action dans celui-là, si on peut shooter ou pas. Mais le concept avait l'air d'être vraiment bien. Moi j'adore les trucs qui sont dans les villes sous-marines. Bioshock, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc on a pris celui-là, pareil, une petite promo, voilà, 6 euros. Au lieu de 30, je pense que c'était le moment ou jamais. 40 reviews, 5 étoiles. Imaginé par The Dark Descent. Et est-ce qu'on peut lire ou pas? Voilà, Soma mêle science-fiction et horreur sous les vagues de l'océan Atlantique. Ça a l'air vraiment top. Donc je vous ai mis ça de côté. Myst, je vais faire la découverte normalement demain soir. Enfin, pas normalement, je dois faire la découverte de Myst demain soir sur Xbox Oxygen Live. J'espère que j'aurai le temps. Mais ça, c'est moins sûr. On avait découvert ça, vous avez bien aimé, donc j'avais laissé de côté pour faire le scénario plus tard. Lost Ember, c'est un jeu qu'on a acheté avec Sakiel. Ashen aussi. Recompile, j'avais envie de vous le faire découvrir. J'ai mis Psychonaut de côté parce qu'apparemment le scénario, le jeu est bien. Donc on se le fera, je pense. White Knight, je l'ai déjà fait, je l'ai mis ici. Ici, un de ces quatre, je vous le montre. Je vais peut-être pas. Non, je vais peut-être le virer en fait. Parce que j'ai déjà fait, je crois que j'avais fait des vidéos à l'époque. Et j'en rajouterai d'autres. Je pense que les jeux que je mettrai ici pourront peut-être faire l'objet d'un Celtic Hour. Il faudrait que je le rajoute dans le sondage. D'ailleurs, en parlant de sondage, n'hésitez pas. J'ai pas le lien. J'ai pas le lien, quel petit malin. Mais n'hésitez pas à aller sur la biographie de la chaîne Twitch.
Vous avez le petit onglet Celtic Hour pour voter. J'ai changé le lien, là c'est un lien permanent. Vous pouvez choisir de voter pour un jeu qui est présent ou vous pouvez choisir de rajouter un jeu manuellement. L'idée c'est que tous les lundis matin, suivant quand je me réveille, je vais voir le jeu qui a le plus de suffrages, je l'enlève du sondage et ensuite je le prépare pour le mardi matin, 8h30, 10h, c'est ça. Oui, c'est ça. 8h30, 10h pour le Celtic Hour du matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ceux et celles qui sont là, qui me suivent un peu, si vous avez vu les news? Il y a maintenant tous les jeudis 19h, non, 18h30, 18h30, 20h, je suis sur Xbox IGN Live. Et après, nous, on a une soirée off avec Sakiel. Mardi soir, on est en off parce que je fais le Celtic Hour le matin. Donc comme ça, ça nous fait deux soirées dans la semaine, on est tranquille. Le mercredi, bah, c'est une soirée tranquille, le lundi aussi. Le vendredi matin, je vais m'essayer à l'actualité Xbox ce vendredi matin à 8h30, je crois. J'ai pas encore l'habitude du nouveau planning que j'ai créé. Vendredi, 8h30, 9h30, c'est ça. Je vais m'essayer à 1h d'actualité. Je vais utiliser les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Xbox. Des vidéos qui sont en anglais. Je ne sais pas si je vous la traduirai. Je vais peut-être essayer. Je vais voir comment ça se passe. Déjà, s'il y a des personnes qui sont présentes pour pouvoir discuter. Savoir si les gens sont tous bilingues ou pas. Ou si à chaque fois, bah, dès qu'ils parlent, je mets sur pause, je traduis. Et je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'aurais bien aimé la traduire la veille pour le lendemain, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, c'est des vidéos qui font 8 minutes, elles sont pas très longues. Elles couvrent par contre une trentaine de sujets sur les sorties Xbox, les exclusivités, les mises à jour des jeux. Donc voilà, c'est pas exclusif Xbox, mais il y a une majeure partie des informations sur Xbox. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est très bien fait en tout cas leurs vidéos. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser pour vous proposer bah, encore une fois une nouveauté sur la chaîne. Sortir un petit peu des sentiers battus, puis s'intéresser aux actualités de ce qui se passe en fait en termes de jeux vidéo, tout simplement. Donc ça, c'est pour le matin. Le soir, à 22h, nous avons une séquence libre. Samedi soir, 22h, un autre stream en séquence libre. Et le dimanche, une semaine sur deux, à partir de 21h, je ne sais pas comment je vais le mettre en place, mais je vais essayer de faire une game viewer. Donc quand je dis une game viewer, c'est pas n'importe quelle personne qui se pointe sur le stream pour jouer avec nous. Ça s'appellera game viewer. Mais ce sera surtout une game pour les gens de confiance. C'est-à-dire les personnes qui suivent la chaîne, qui sont réguliers et avec qui je m'entends bien. Voilà, donc je jouerai peut-être plus si facilement avec, bah, jouerai avec Sakiel forcément, mais peut-être avec mes potes aussi, parce que c'est vrai qu'avec tout ça, on a moins le temps. Bon, après, j'essaierai plus de jouer avec les viewers que les gens que je connais depuis un petit moment. Je vais juste rajouter un petit quelque chose que j'aurais dû faire depuis un petit moment. En parlant de VIP, voilà. Ah, bah c'est qu'il y a encore de la marge. Tac. Voilà. Et ben c'est parfait. J'ai fait ma petite modif. Donc voilà, oui, donc un planning bien soutenu. Je suis assez content d'avoir mis ça en place parce que Sakiel est OK. Et c'est surtout le truc le plus important. Ça me permet, moi, d'être présent sur Twitch tous les jours de la semaine, avec ou sans elle, de continuer à me faire plaisir. Et j'espère que, ben, on augmentera tous ensemble la communauté. En tout cas, merci d'être là, d'être fidèle au poste, mes amis. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir passer un moment en votre compagnie. Voilà, moi, c'est vraiment le moment que j'apprécie peut-être le plus dans la journée, hormis le fait d'être avec Sakiel, évidemment, faut pas déconner. Et on va les mettre presque au même niveau, mais je vous dirai pas qui c'est que je préfère. Voilà. Et je suis très content de partager tout ça avec vous, de discuter de toute cette bienveillance vraiment que vous dégagez dans le chat. Ça fait hyper plaisir. Moi, je vous dis, j'ai qu'une hâte hein, quand je suis au boulot, c'est de rentrer, de streamer, de vous avoir avec moi et de partager tout ça, tous ces jeux vidéo, toutes ces belles histoires, toutes ces émotions. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir et que bah, tout le monde ne peut pas faire dans de
de bonnes conditions. En tout cas, moi je trouve que j'ai des conditions vraiment excellentes. Donc voilà, je touche du bois, j'espère que ça va durer longtemps, j'espère qu'on va créer une belle communauté et qu'on va toucher encore plus de personnes. N'hésitez pas à partager les streams, je sais qu'il y en a qui le font, à parler de moi si ça vous chauffe. Comme ça, on rameute un peu du monde, petit, grand, moyen. On aime tout le monde, nous on s'en fout. On est là pour partager un bon moment. Tout ça parce qu'elle a des formes que j'ai pas. C'est des grands. Tout à fait. C'est des avantages qu'effectivement un chat ne peut pas avoir. Après, peut-être qu'un chat peut avoir des boobs. C'est possible. Avec des émotes. Mais je suis pas sûr que ça me fasse le même effet. À voir. Avec le temps, on sait jamais, hein. Des liens secrets, comme dirait l'autre. Ah, je m'abreuve. Je m'abreuve. Bon, mes petits loups. Chers amis, merci encore de votre sympathie, merci de votre temps. J'espère que vous avez passé une agréable soirée avec moi. On se doute, on fait pas le poids face à madame. Oh, couteau, il a un nouveau petit kiki devant son nom, mais qu'est-ce que c'est-il? Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé, même si on s'est fait un petit peu poncer sur le début de Daymare. Ça reste quand même un bon jeu. Un petit peu maladroit dans son gameplay. Même s'il y a de très bonnes idées. Le fait de mettre les munitions dans le chargeur, puis de recharger avec les différents systèmes de chargement. Oh, mais qu'est-ce à dire que ceci? Ah voilà, je vous disais Sly. Il est modérateur, il a son épée. Tout à l'heure. Donc non, il y a des bonnes idées. Après, il est un petit peu lourd en gameplay. Après, ça fait longtemps aussi que j'ai pas joué un bon, vrai, vieux jeu d'horreur à la troisième personne. C'était plutôt cool. Ah, au couteau, il a fait une attaque. Il répond plus. Au couteau, t'es mort, copain? C'est juste le grade VIP, hein. Tout va bien. Parce que ça me fait plaisir. Je mets les VIP aux gens qui sont là depuis. Au vrai soutien. J'ai Excalibur, moi. Ouais, mais toi, c'est différent. Tu fais partie de la Cell Team. C'est comme Tom, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tom et toi, vous êtes modo. Mais vous n'êtes pas modo en même temps parce que, bah. Personne modère au final. Puisqu'on est tous chacun de notre côté sur nos streams. Et tant mieux d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai monté la Cell Team. C'était bien l'idée. Donc, je dis, chacun modère ses propres streams et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Je vais tenter de télécharger la petite discussion qu'on a eue au début du stream parce que j'ai trouvé plutôt intéressante. Et je la remettrai sur YouTube. Peut-être que ça intéressera des gens. J'aime mieux le lire du coup. Bon, pour l'instant, je suis plus sur les tiens. Ben, après, j'espère que tu seras plus sur les tiens. On passera de voir. De toute façon, on jouera ensemble. Il faut que on se remette en place chacun un petit peu notre côté et on organisera plus facilement des joutes verbales de live. Bon, allez, on rigole, on rigole. Je vais aller faire un petit dodo. Je vais tenter de télécharger le début du stream. Merci pour la soirée. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux. Vous avez ça qui est en fait juste le lien à la biographie de la chaîne Twitch. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires. Vous cliquez sur qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du plaisir, et vous y avez accès directement. Du coup, au couteau, tu dois pas voir grand-chose à force de te lécher le sol. Putain. Vous me fatiguez. Un mec qui avait fait un Mjolnir comme ça avec un aimant et il faisait croire aux gens qu'ils pouvaient le soulever, mais pas eux. Bande de fous. Bonne nuit au couteau. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches d'ici le prochain stream. Donc, demain soir, je vous donne rendez-vous sur Xbox IGN Live pour la découverte de Myst. Rendez-vous normalement à. J'avais pas remis ça. Rendez-vous normalement à 20h. Oui, le stream sera demain de 20h à 21h exceptionnellement. Et les autres jeudis, ce sera de 19h à 20h30 de mémoire. Je sais pas.
Et c'est plus... Oui, c'est ça, de 19h à 20h30. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je vais aller me coucher. Je vous embrasse bien fort, faites attention à vous. Merci aux personnes qui n'ont pas discuté sur le stream d'être restées jusqu'au bout. Merci à tous. Allez, à demain sur Xbox Hygiène Live. Je vous remettrai la petite info sur la raison. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.